résident en direct de Gros-Îlet, Sainte-Lucie, côté que l'a participé via vidéoconférence à Kounia. Et président, nous passons de conseil gouvernement à conseil des ministres là. Donc c'est pour faire mon conseil des ministres dans Ville au Cap. Président, je remercie en pile et je crois que ça nous fait faire l'autre innovation là encore. Parce que nous avons un conseil gouvernement décentralisé dans la deuxième ville pays, la ville du Cap, ville Roi Christophe. Et nous avons une surprise, gagné Monsieur le Président de la République en direct via vidéoconférence qui participait, qui convertit. Pour première fois, conseil gouvernement en conseil des ministres. Donc, félicitations, président, pour le bon travail que même moi fait pour le pays. Je connais que pas chita. Je connais que un voyage que vous avez fait en dedans du pays, vous êtes balance, vous êtes à l'oué, pauvreté, vous êtes à l'oué, qui sont sans te café pour la population balance. Et je ne vous dis pas, vous avez défendu le pays dans Gros-Îlet, dans Sainte-Lucie, dans le sommet CARICOM. Donc, et yon ba yo, de nan ville Wanamen jodia, et yo dim bon message, ki se yo invite ou président, pour participer nan fête patronale le 15 août nan ville Wanamen, et tout pep Wanamen lan, lem paret nan ville Wanamen, tout moun te campé sous de rang, pour apprécier le travail que président a fait et gouvernement a fait nan pays a. Donc, pour ça, moi même personnellement, je remercie vous pour énergie, effort et tout ça qu'on a fait pour les haïtiens et son fierté pour moi pour me servir pays dans le gouvernement. Là. Merci en pile. Merci, bon travail et saluer la population. À tout à l'heure. Merci en pile, président. Président, vous pouvez continuer à participer. Je connais bon. Nous connaissons un peu l'activité dans le sommet CARICOM, mais de toutes les façons, nous souhaitons faire un conseil de ministre PTC à la qui prend conseil gouvernement lui-même pour contre lui. Il monopolise la parole. Nous avons une heure de temps à parler, lui expliquer. Nous avons fait un très bon travail d'explication claire, directe de ce qu'a fait dans la ville cap-haïtienne, ce qu'a fait dans le département. Et je me félicite pour ça. Nous allons passer à prochain point. Agenda, Monsieur Enex Jean-Charles, s'il vous plaît, le prochain point de l'agenda. Et nous avons pour le moment ministre agriculture, ressources naturelles et du développement rural. Ministre agriculture, Thomas Jacques, vous avez la parole. Merci PM, m'a salué président. Et m'a salué collègue moi qui là parlementaire qui là délégué secrétaire d'état directeur général et membre la presse téléspectateurs tout agriculteur qui nan nord qui nan la Tibonite qui nan nord-est qui nan nord-ouest qui nan nord-est qui représentait le grand nord moi salue nous sans pas oublier plateau central. Donc, vous voyez, l'investissement qu'a fait Jodia dans le Grand Nord, c'est une grosse opportunité pour le marché produit agricole. Yo. Et l'important pour que le ministère de l'Agriculture campe jam pour le travail, pour permettre que nous augmentions l'offre produit agricole, pour n'empêcher que ce n'est pas l'autre pays qui bénéficie de l'opportunité. Ça. Et c'est peut-être ça, ensemble travail que nous commençons à faire depuis que l'on est arrivé dans le gouvernement, ça, c'est garder comment on est capable de secouer tout projet qui a exécuté dans le Grand Nord pour permettre qu'il avance. Je vais commencer tout d'abord par un ensemble de projets qui
qui est dans le département du Nord. Nous avons un projet remise en eau du périmètre de la tannerie. C'est un projet qui a fait dans la zone Grande Rivière du Nord, quartier Morin. C'est un projet qui concernait à peu près 2000 hectares et nous espérons fin août terminer le projet. Ça. Nous avons un projet réhabilitation, protection, drainage, piste agricole, ravine, trompette, dans Pilate. Son projet tout, nous pensons fini à Cli, dans fin août 2012. Nous avons un projet curage de drain Saint-Raphaël. C'est à peu près 25 km de drain. Son projet que nous fini à Cli. Mais nous avons l'autre travail, nous pensons qui a mérité fait pour capable garantie travail que nous fait là. Ou gagne tout réhabilitation piste agricole Saint-Raphaël que avec TPTC n'a fait li. Nous estimé que nous était à peu près à 20% et comme ministre TPTC a sorti là dans 2 semaines travail a fini. Ou gagne des centres de décorticage que n'a construit dans Saint-Raphaël avec plusieurs autres communes dans nord. Mais c'est des projets qui sont presque terminés. Et en particulier pour le centre de décortiquage Saint-Raphaël, ces routes-là n'ont pas fini pour que nous passions à l'inauguration. Ou gagner curage, reprofilage, gabionnage dans la zone Dondon. C'est des travaux qui sont en cours et nous espérons terminer les travaux ça fin août. Cependant, il y a deux gros projets dans le nord. Qui c'est avec financement Banque Interaméricaine de Développement. Yon c'est programme de mitigation des désastres naturels. C'est un programme qui commençait depuis 3 ans. Et l'en évalue projet ça, nous voyons que il est à peine à 5%. Et c'est ça qui fait que depuis vini, nous faisons une première séance de travail avec la BID et l'équipe qui a dirigé le programme ça. Pour nous garder comment pour nous faire programme ça avancer parce que son programme qui concernait bassin versant et Grande Rivière du Nord et là qu'on est tout problème qu'on a enregistré avec inondation avec les coups des rivières et bien travaux d'aménagement de bassin versant ça est extrêmement important et dans ce sens ça nous développons une stratégie qui pour permettre que nous fait travaux ça avancer. Ou gagne un projet de renforcement des services publics agricoles. C'est un projet qui finit. Programme ça, les mêmes tous sont programme qui peut avancer. Parce que programme ça est là pour offrir à agriculteurs un ensemble de services qui pour permettre que yo joigne être agricole, yo joigne fertilisant, yo capable labourer terre que faire agriculture à marché. Eh bien, avec la Banque Interaméricaine de Développement, nous chita pour nous développer de l'autre stratégie qui pour permettre que le programme ça avance. Dans le département du Nord-Est, gagné un programme qui est le petit périmètre irrigué qui concernait à peu près 800 hectares de terre. C'est à peu près 12 petits périmètres pour nous être capable de réhabiliter. Le nous venons son programme Cap Dormi. Nous à peine changé directeur programme ça et directeur là et nous développons stratégie qui pour permettre que nous arriver avancer parce que de l'eau c'est un élément important qui pour permettre que les productions agricoles là et c'est ça qui fait que nous fait tout effort pour permettre que les 800 hectares qui concernent 12 petits périmètres irrigués dans zone Nord-Est, et même pour être capable d'arriver réaliser. Il faut dire que actuellement, nous gagnons un gros problème dans le Nord-Est. Gagnons un insecte qui est originaire qui a un problème dans la production agricole dans le Nord-Est. Nous déplaçons une équipe pour identifier l'insecte ça et permettre que nous élaborons un plan d'action qui pour permettre nous contrer. Ravage que l'insecte a fait dans le Nord-Est. Nous, en même temps, tout travail sur comment pour que nous fassions engrais
baisser prix dans pays a, parce que yon sac engrais dans mois de mai, dans mois d'avril, c'est 1500 goud pour un agriculteur d'acheter un sac engrais. Avec effort que gouvernement fait, jodi a nous fixer prix à 900 goud sur tout territoire pays d'Haïti. Et dans sens ça, nous développons stratégie qui pour permettre que qui tout dans zone Saint-Raphaël ou bien dans zone Latibonite ou bien dans zone l'ouest, eh bien pour joindre engrais à un prix qui c'est 900 goud. Et depuis deux semaines, il y a un pile travail qu'a fait pour permettre que nous mettez quantité d'engrais sur marché là pour permettre que agriculteurs soient capables de joindre produit ça, parce que engrais pour compte parle lui représenter 20% augmentation rendement agricole là. Et ça femme de ça que il y a un pile bon écho de mesure ça. En pile moun relé, en pile moun parle avec moi, yo content en pile de sa ministre de l'agriculture en fait dans la question engrais. Donc félicite pour ça. Merci. Mais nous avons dit deuxième axe de travail qui est plus important pendant deux mois ça que nous fait, c'est arriver à identifier à peu près 27 000 hectares qui sont capables de rouser pour augmenter la superficie qui rouser dans le pays d'Haïti. Parce que jodia, si pour que nous augmenter production nationale là, si pour que nous augmenter production agricole là, eh bien faut augmenter superficie irriguée. Et déjà dans zone nord nord-est, nous identifier plaine de Maribaou avec vallée des rivières Marion, nous identifier plaine du nord, nous identifier Saint-Raphaël, nous identifier Saint-Michel de la Talaye, nous identifier trois rivières pleines de moustiques, parce que longtemps zone nord-est c'est lui même qui était qu'on voyait manger à l'vendre dans Bahamas. Donc nous identifier ensemble de projets ça qui pour permettre que nous arriver augmenter superficie irriguée. Et dans ce sens ça un ensemble d'études que nous pral lancer qui pour permettre que nous disposer des dossiers et chercher financement qui pour permettre que nous arriver à augmenter la production nationale. Troisième grosse activité que nous faisons pendant la période ça, c'est arriver à parler avec tout acteur qui a intervenu dans la zone nord. Là. Parce que dans la zone nord, là, nous gardons à peu près 250 millions de dollars de projets agricoles qui identifiés, qui pourraient mettre en œuvre. Et bien, nous allons regarder comment nous sommes capables d'harmoniser le projet ça pour que ce n'est pas duplication qu'a fait. Et c'est dans ce sens ça que, avec BID, avec l'Union européenne, avec tout l'autre partenaire, nous travaillons ensemble pour que et bien, nous développions des stratégies, des mécanismes pour permettre que différentes activités qu'a réalisées au niveau de la région nord pour permettre que la production agricole augmente. Voilà en gros pendant deux mois ensemble de travail que nous faisons, qui pour permettre que nous avançons dans le secteur agricole là. Mais avant de finir, je vais parler d'un gros problème que nous avons confronté. C'est le vol bétail. Dans toute zone nord là, nord-est, centre, et bien il y a un réseau qui a déchappillé éleveurs. Et c'est dans ce sens-là. Au ministère de l'Agriculture, nous avons développé une stratégie pour que nous arrivions à identifier chaque bête. Et travail ça, nous avons remercié toutes les mairies qui ont participé avec le secrétaire d'État à la production animale. Dans une séance de travail, nous avons en place une autre gens pour nous arriver à identifier toutes les bêtes. Cependant, travail ça a mérité participation ministère de la justice. Son travail n'a fait avec la police qui pour permettre que nous arriver démanteler tout réseau dans le nord-est, dans le nord, dans le plateau central cap défini, cap fini avec cheptel bovin cabrit dans la région ça. L'autre problème que nous voulons parler de lui, c'est au niveau de Saint-Michel de la Talaye. Il y a un village que nous appelons le village L'Espoir, qui a inauguré mois d'août
Il y a à peu près 200 maisons qui construisent au niveau de village ça et permettent que 200 familles habitent dans zone savandienne et y arriver mettre sous culture à peu près 350 hectares. Et bien il y a un réseau bandit qui a théorisé village ça. Et c'est dans ce sens ça nous écrit à Direction générale de la police. Nous écrit ministère de la Défense, nous avons demandé concours la justice pour permettre que nous arrivions à démanteler le réseau ça qui a des problèmes dans la zone Saint-Michel de la Talaye. Bon, nous avons demandé au ministre de la Justice et de la Sécurité publique de la prenote. Nous avons apporté un soulagement immédiat à un problème ça. Monsieur le ministre. Et pour nous finir, nous connaissons que Haïti généralement fait face à deux gros problèmes. Le premier problème, c'est la sécheresse. L'année particulièrement, c'est une année qui est difficile. Nous avons presque perdu récolte pour la saison. Que c'est dans le nord, dans le nord-est, dans le nord-ouest, plateau central, l'Artibonite, Grandance, Nip, sécheresse l'a frappé en pile. Et ma remercie collègue nous Josepha, collègue nous Carmel qui travaille en pile pour permettre que nous débloquer deux FIOP qui permettent nous commencer nous pral commencer des travaux à haute intensité de main d'œuvre pour permettre que gonti chocho qui rentre dans mes populations pendant vacances d'été ça et pour permettre que travaux ça c'est des travaux à haute intensité de main d'œuvre pour permettre que dans le milieu rural là gagne un cob cap boissé et gagne des travaux cap réalisé pour permettre que agriculteurs rural en souffre parce que yo perdu récolte yo. Deuxième aspect que nous voulons parler c'est nous dans saison cyclone. Ça veut dire que d'ici juillet août septembre nous ca faire face à des problèmes d'inondation. Dans sens ça déblocage fonds ça pour permettre que nous développer ça nous relève des projets de récapitalisation agricole qui pour permettre que nous joignons semences, nous joignons notre agricole pour aider planteurs à arriver joindre produits pour démarrer production agricole pour campagne d'hiver là. Merci. Merci un peu le ministre. Ben c'est que agriculture genre que président tout temps dit agriculture c'est une priorité majeure gouvernement. Ministre, là, vous avez une grande responsabilité sous dos pour atterrir le programme. Qui est-ce que nous avons boulé avec deux projets Petro-Caribe qui ont été débloqués pour l'autre jour, la Rouyonne? Comment nous avons boulé avec le programme ça? Nous avons commencé à parler avec le projet Rouyonne. Avec Rouyonne, avec un pile concertation, nous gagnons avec NUD et TPTC qui signent un accord pour que nous commencions les travaux de curage de la rivière Rouyonne. Grâce à travaux que TPTC a réalisé, ça permet que nous-mêmes nous réalisions études que nous devons faire qui pour permettre que nous dévier une partie de rivière Rouyonne pour nous laguer li dans moments qui pour permettre que nous résoudre une fois pour toutes problème Léogane parce que c'est chaque année n'a fait des travaux de curage et problème nous pas jamais résoudre problème nan. C'est dans ce sens ça que nous pensons que au niveau du ministère de l'agriculture nous pensons que c'était important pour que nous lancions étude ça et permettre que nous gon dossier d'exécution paré pour nous lancer travaux à partir de prochaine novembre décembre pour permettre que nous fassions travaux importants majeurs ça et comme TPTC avec NUD signe un accord pour faire curage ça et mais ça permettre que nous joignions une solution temporaire à Rouyonne. Faut dire que travaux ont commencé déjà. Très bonne précision. Merci en pile ministre. Et nouveau ministre que nous avons, hein, qui est ministre de sécurité énergétique, là, nous avons un premier dossier que vous gérez,
avant que nous passions à son excellence M. Thierry Maillan-Paul qui va faire le prochain exposé, nous allons demander au ministre de la sécurité énergétique là, pour que ça qui a passé dans la délégation là, pour ne pas reproduire. Parce que nous, nos délégations, nous sommes conseil gouvernement, nous te connaissons que nous avons venu, et puis nous avons que courant pour aller, les venir, l'aller, la venir. Il faut que nous gérions le problème courant dans la ville là. Il faut le faire. Je pense que déjà, il faut contacter tout responsable depuis après le conseil là. Il y a un rendez-vous après le conseil là. Parce que ce qui a passé là, c'est inacceptable. Donc, d'ailleurs, que nous convoquer monsieur et puis nous expliquer que ce qui a passé là n'est pas acceptable. C'est son del connouillé qu'on a monté, l'a baissé, le bralé. Donc, nous voulons mettre courant en courant stable et sûr dans le pays pour nous avancer. Je vais passer la parole qu'on est là à ministre Pepla, ministre Thierry, qui va parler nous de qui sa ministère intérieur a fait pour nous dans nous. Et je profite de rappeler tout, député Kenston Jean-Baptiste qui fait écrire là. Député, saluez-vous. Et je remercie vous. Est-ce que vous venez là? Non. Mais mes amis. Il y a un député Jude qui avait nous là. Saluez-vous. Mais vous avez une liste. Tout député qui est dans la salle là. D'ailleurs, ça lui-même son ses premières femmes quoi que en général c'est exécutif là qui est dans le parlement. Je dis à là nous avons un parlement qui est dans l'exécutif là. Donc c'est ça nous voulons montrer. Nous voulons montrer que parlement avec exécutif là. Mettez tête ensemble pour travailler pour les Parisiens. Donc, député qui vin nan bataille la jodia, c'est Marie-Josie Etienne, député Job Jolique, député Faustin, député Glut Théophile, député Louis et bien entendu député Kenston Jean-Baptiste. Félicitations et nous remercions nous pour présence là. Kounya là, nous allons passer la parole et faut me dire nous que si nous gardons sous image là, nous allons voir président PIA qui en direct de Gros-Île Sainte-Lucie cap suivre cap participer et notamment de Gamal mettez un micro devant ordinateur pour que si président a une question besoin poser Daniel Supplice par exemple et même qu'a poser question et l'entrée nous gagnons un conseil gouvernement qui pour première fois décentralisé la fête dans la délégation du Nord. Deuxièmement, on a voué Vilo Cap la montée. Et troisièmement, nous avons le président PIA qui participe et nous avons le Parlement qui est dedans avec nous là. Donc tout le monde, bonjour. Donc, Kouniala, ministre Pepla, ministre Thierry, vous avez la parole. Et merci PM. Président, je vous salue. Et moi, je vous remercie l'opportunité à Koban pour m'ka expliquer ça que le ministère de l'Intérieur là, et des collectivités territoriales qui action que le gagne dans un premier temps dans le Nord, deuxièmement qui plan vraiment que nous gagne pour le Nord et qui est assez important et sur lequel nous pensons que faut nous dire un mot. Donc tout de suite m'bral dit où que le ministère là gagne à peu près 28 projets qui en train dans le nord du pays, dans le département du Nord. Et nous avons dans la Cule, dans Cap-Haïtien, dans Milo, Saint-Raphaël, Port-Margot, Baron, Pilate, Limbé, et Dondon, Grande Rivière du Nord, Plaine du Nord, Acule du Nord. Et par exemple, pour un montant de à peu près 14 millions, c'est fonds collectivité, comme bien entendu. Et qui connaît que gagne des taxes que yo prend dans chaque ville et taxes ça entre en cob chaque mairie et c'est à travers mairie ça Kazek et Merio produit demande à travers des projets et yo fait à peu près une cinquantaine par jour
et ministère là étudié projet yo et ba yo réponse en fonction de ça que l'estime qui plausible ou qui possible indépendamment des montants que yo gagne son fonds qui géré et par nous et en grande partie par les finances puisque finances en gagne si adul sous lit tous les fois donc c'est en collaboration que nous travaillons sous lit mais donc m'a cité à titre d'exemple que disons par exemple Saint-Raphaël nous financé pour une réhabilitation de une clôture dans le cimetière Saint-Raphaël qui montait son projet que le ministère l'a financé à 100% lui-même et pour un montant total de route que nous bail. Ils ont une section bassin diamant en pleine du Nord, nous avons un projet pour une réhabilitation au terrain de jeu. Par exemple, dans la troisième section Monena Acule du Nord lui-même, le ministère l'a travaille sur un projet de clôture de l'école nationale du TI. Dans la section Mornay, il finance ce projet à 45%. Et dans Perche, dans Bonnet, dans Milo, nous avons valorisation culturelle et développement touriste local au niveau de la citadelle. Et Cap-Haïtien lui-même, par exemple, dans la première section, Bande du Nord, dans la commune Cap-Haïtien, et un projet assainissement qui est en train. Et le ministère de langue a financé le projet ça à 80%. Et Saint-Raphaël encore, deuxième section, un projet d'acquisition et d'installation de moulins à grains. OK? Donc, nous avons 65% là-dedans. Quand Louise, dans Acule, nous financé un projet de correction de ravines. Et Port-Margot Corail, nous finançons un projet de protection contre les risques d'inondation à travers des corrections de ravines. Grand Gilles, dans la commune Grande Rivière du Nord, nous finançons un projet d'installation encore de moulins à grains et une salle de tri en entreposage. Et quatrième section, la Guille, dans Dondon, nous préparons un marché et pour un montant de 770 000 gourdes. Dans la section Dubourg, commune Pilate, nous avons restauré Chapelle Saint-Joseph. Port-Margot, nous avons 4 puits artésiens que nous avons fouillés. Et Kankok, nous avons un projet de bétonnage du marché. Et Cap-Haïtien encore, nous avons extension et réhabilitation de système d'adduction d'eau potable dans la troisième section Petit-Anse. Milo, nous avons 144 mètres de berge de la rivière Brisemain et de traitement de ravines. Dans Bonnet à l'évêque, que nous avons fait. Baron, première section Bois-Pin, nous avons financé un projet d'aménagement de canaux d'irrigation en maçonnerie. Bas de l'Acule, Basse-Plaine, Acule du Nord, nous avons un projet de réhabilitation de route. Quand Louise encore, commune Acule du Nord, nous avons une première tranche que nous payons pour un projet de 10 puits artésiens. Bois-Neuf, Saint-Raphaël, nous avons un projet que nous avons réalisé en école communale. Et le ministère, là, par exemple, est intervenu dans Milo, dans la première section Perche, les un fort artisanal que nous avons financé. À Cule du Nord, nous avons un projet de clôture du tribunal de paix. Section Petit-Anse Cap-Haïtien, nous avons financé un projet d'électrification. Et Bande du Nord, nous avons réalisé un projet de gestion de risque de désastre à la veille de la saison et des pluies. Okay? Donc, encore une fois, pour nous résumer, et c'est là qu'on est, intervention ministérielle dans son intervention transversale, il manque à tous les secteurs, tant justice que travaux publics, que tourisme, que éducation, parce que c'est son bagage qui vient très directement avec toute section communale, toute collectivité. Donc, dépendamment des besoins de la zone et des demandes qui sont formulées, le ministère l'a étudié et intervenu. Donc, ça, c'est pour expliquer qui ça que nous avons fait dans le Nord. Nous avons à peu près 28 projets sur lesquels nous avons des travaux que nous avons fait. Maintenant, le point sur lequel nous avons pensé qu'il était beaucoup plus important pour nous réagir, c'est la présentation que nous avons faite. Je ne sais pas si
directeur cabinet à mettre sous corps tu dois faire passer peut-être et bah là pour que me ta commenter sur lui on fait présentation président font déplacer et m'a profité rappeler que président avec nous là en direct dans Gozile et m'a profité rappeler tout que conseil des ministres li en direct dans tout pays là dans Caraïbes dans Guinée li dans TNH li dans Radio Mega qui aux États-Unis li dans West Palm Beach li New York li tout côté donc c'est une opportunité tout pour nous mettre le nord en valeur aujourd'hui le nord est à l'honneur député Gluck Théophile saluez-vous et encore une fois mais saluez patriotisme nous de ministre là de parlementaire là de délégué délégué nord-est là saluez-vous pour déplacement et pour visite que nous faisons aujourd'hui. Donc nous allons travailler tout pour Wanamet, nous allons renforcer, nous avons des directeurs et DG des douanes, Frisnel Jean-Baptiste, nous demandons pour lui travailler pour que nous puissions monter barrière. Parce que ce n'est pas une barrière tout dans Wanamet. Encore une fois, ça a son problème. Avant que nous arrivions dans la présentation. Un pays comme Haïti qui dépend de taxes et recettes douanières pour financer eh bien tout projet ça que le ministère a parlé de yo que ministre Jacques a parlé de yo que chaque voulez que nous comprenions que chaque ministre qui a parlé là a parlé de projets qui dépendent de financement si nous capables récupérer comme que nous avons perdu dans le monde qui va payer taxes ou bien un monde qui va payer douane eh bien n'a privé capable financer tout projet ça nous-mêmes parce que là nous garder trois qui gagnent c'est comme là que n'a perdu dans douane avec dans taxe là donc Haïti capable prendre l'autre niveau nous capable gain souveraineté nous vraie souveraineté à souveraineté côté que ne pas dépendre de partenaires qui pour financer développement nous capable arriver faire mais faut gagner discipline et n'a pas obligé de prendre des décisions qui parfois pas populaires. En pile mon a dit que en pile mon d'un contrebandier pas content de mouvement que n'a fait etc. N'importe qui pays du monde, n'importe qui pays du monde. Un pays qui respecte tête li gagne pour appliquer une politique fiscale stricte et pour contrôler frontières pour mon ka payer taxes. Pour mon pays doit douane son bail qui est absolument normal mais comme Haïti c'est un pays qui est en pile dérive n'importe qui ça vient normal donc on y a là nous vivons une situation côté que ces contrebandiers on y a là qui avec comme contrebande que vous faites y a mettez quoi ensemble pour venir essayer barrer la route à gouvernement qui lui-même a essayé font grand bagarre n'a pas essayé de récupérer comme que n'a perdu pour nous mettre dans le développement pour peuple haïtien. Donc si qu'on y a là, n'a pas essayé de faire un mouvement comme ça et puis deux trois grain monde qui a bénéficié pour poche a essayé barrer la route à un gouvernement, moi même moi pense que dans n'importe qui pays du monde ça inacceptable et doit pas l'accepter ça. Donc nous gagnons ministre Thierry. Nous t'aimer qu'on parler de quartier Pambosé en dans Noa. Et m'ta aimé tout que vous expliquez. N'a aimé que. Parce que dans la nouvelle, même si on a regardé, je suis la nouvelle en pile. Et c'est important. N'a aimé que vous preniez quelques minutes pour expliquer qui ça quartier Pambosé. C'est même Jean Toumbralman de Rosam, expliquer qui ça quartier Pambosé chéri. Parce que j'ai l'impression que j'ai une incompréhension. Sous programme protection sociale ça yo programme quartier Pambosé am dame que ministère vous font bel résumé de vous font listing de tout projet que ministère intérieur même dame qu'on y a entré dans projet a pendant quelques minutes pour nous expliquer qui ça quartier Pambosé a qui sa population joint dans quartier Pambosé a et en même temps qui sa moun au cap moun nan nord a joint dans quartier Pambosé a moi remercie encore une fois de l'opportunité qu'on m'a
moi pour aller quartier pas me poser, c'est le programme de décentralisation que ou même avec président ou met en œuvre et qui sont un programme qui ont décentralisation à base communautaire. Son programme qui fait par les Haïtiens, pour les Haïtiens et avec les Haïtiens. Son programme de décentralisation que nous calquons sous plusieurs programmes que nous allons étudier un peu partout dans la zone et que nous venons adapter avec la réalité haïtienne. Et li adresser tout secteur yo en soi, et ça veut dire que c'est une espèce de rapprochement que pouvoir central l'en fait en ramenant les décisions plus près de la collectivité. C'est collectivité à lui-même qui décide que qui ça que les besoins par rapport à 5 gouvernements, emploi, éducation, environnement, énergie, état de droit. C'est fondement à agenda national décentralisation. Et sérieux, concrètement. Besoin mandou. Un monde qui dans ville au Cap Brune aujourd'hui, qui dans grand goût, qui gagne une idée que un projet que le daim fait. OK, qui gens que quartier pas m'poser à aider moun sa. OK. Et gens que nous adresser problème là, c'est que dans étude que nous t'ai fait, hein, nous t'ai vienne réaliser que le aide internationale là approcher population yo et zone yo, yo vini avec des programmes tout fait. Yo vini et puis yo dit dans zone nan bon, yo pensé que zone nan besoin tel bagay. Donc il est posé le bas zone. Sur le moyen terme, nous venons réaliser et au conscient de ça et premier ministre que c'est comme si son lave-main suyait à terre. Puisque à chaque gouvernement qui vient, c'est même programme yo qui prend l'autre nom mais qui recommence parce que population dans zone yo pas jamais approprié yo de ça qui fait là. Donc automatiquement que programme nan rive nan bout li, population a pour un moment quitté l'aller et donc étranger obligé revenir pour la refaire même bagay yo tout le temps. Et nous ka prendre dans n'importe qui secteur. Ko prendre dans secteur touristique, ko prendre dans secteur justice, ko prendre dans secteur santé. Exemple que moi toujours bay par exemple dans secteur santé a, et que ou songez que nous te vivre lors que président est dans campagne, c'est que des côtés nous t'es passé puis nous t'es joindre deux ou trois cliniques, yon à côté l'autre et que de l'autre côté que nous t'es passé et puis nous réaliser que population pas gain accès à santé. Jodi a quartier pas me poser prend problème là à l'envers. L'aller vers collectivité, li réunir avec collectivité yo. Par exemple gain peut-être deux semaines de ça nous t'es venu au Cap. Non, parce que je voulais que ça m'a direct, là, très important parce que au lieu de nous dire collectivité, faut m'taimer que nous bali spécifiquement parce que m'bra du bruit ça. En pile monde a fait programme ça paraît comme son programme qui pas atterri dans peuple là. Moi-même moi connais que soit peut expliquer là c'est que programme n'a atterri dans peuple là. Donc, je voulais que vous expliquiez, mais pour Jean Mdoulan, prend un nègre, prend un jeune garçon qui n'a pas travaillé, qui a une idée, qui voulait faire un projet, il y a une opportunité pour que le projet ça, que le vin avec là, l'idée ça, que le capable de gagner, il y a une opportunité d'un programme avec Atiye Bamboze pour que les jeunes capable atterrir projet ça dans communauté et que communauté a lui-même li bénéficier d'un programme qui sorti dans central. Non, ministre et premier ministre. C'est pas ça. C'est pas ça. OK.
va l'expliquer au bien pour qu'on comprenne. Le quartier Pambosé vini dans une zone, disons qu'il vient au Cap Haïtien. Nous mandé, nous sélectionner secteur vif de zone, leader communautaire yo. Et député en général averti, sénateur yo averti, l'église là, tête de pont yo là, tout le monde, le secteur privé, secteur politique là, yo tout yo là. Yo pre, si vous voulez, bien entendu, parce que vous ne pouvez pas forcer Bouygues Boueglo, nous disons, on est venu vous écouter pour savoir ce que vous avez besoin dans votre communauté. Vin du gouvernement, sauve. Là, nous venons au Cap, les secteurs qui étaient représentés, parce que moi, j'ai une fiche technique là, puisque j'en ai fait là, c'est que nous réunis avec à peu près 200-250 monde par des tables. Et eux-mêmes, ils ont posé, il y a trois ou quatre questions que nous posons. Qui problème ils ont identifié dans la zone là? Qui solution ils ont pensé que ils ont capoté à problème là? Comment ils ont pris l'impliquer tête dans le problème là? Avec ces questions, nous font sélection, puisque son table, il y a à peu près 6 mounes, donc il y a 18 questions, 18 réponses. 18 réponses à eux, ils ont mis ensemble et ils ont sélectionné trois plus importants. Et comme nous avons peut-être 20 ou bien 30 tables, à ce moment, nous avons un résultat 30 tabio, ce qui nous fait 60 réponses. Quand nous venons à Cap Haïtien, qui est-ce qui était présent? Nous avons l'Église catholique qui était présent, Vaudouisan, Organisation populaire, secteur justice, Kazek, fonctionnaires l'État, étudiants, Mounmerio, ONG local, groupe professionnel, AZEC, délégué et organisation de femmes. Tout groupe ça, ils ont soulevé à peu près le même problème, yo, sans que yo pas concerté entre eux, puisque chaque monde saute dans une zone, chaque monde devant papier li choisit le problème. Yo. Les problèmes que nous avons eus, c'est que les problèmes de l'éducation étaient pointés en 7 fois, les problèmes de la santé en 20 fois, les problèmes environnementaux en 11 fois, et les problèmes socio-économiques 13 fois, sécurité et justice 11 fois, infrastructure 25 fois, agriculture et famine 6 fois, décentralisation 4 fois. Donc, les problèmes qui ont été identifiés, par exemple, au niveau santé, nous rejoignons que pas gain l'hôpital dans les sections communales, pas gain centre de santé dans les sections communales. 4 fois, ils répondent sous ça. Les hôpitaux sont très peu structurés, 2 fois. Il y a un problème famine, il y a un problème de manque d'outils et de personnel médicaux, il y a un problème d'eau potable. Au niveau éducation, par exemple, je ne vais pas prendre tout pour vous, mais je vais montrer. Au niveau éducation, il dit qu'il a manqué des écoles fondamentales et d'université. Okay, comment quartier Pambosé a... Donc, quartier Pambosé prend réponse à eux, il sérieux pour quels sont les problèmes les plus urgents. C'est qu'on coup mapping que nous fait. Qui problème qui plus urgent pour adresser. Et à partir de là, en fonction de plus réponses qui baillent, quartier Pambosé prend adresser problème que communauté a identifié dans une zone. Maintenant, étant donné que nous pouvons intervenir sur le Cap, puisque le Cap sont bail que nous fait il y a à peu près 2-3 semaines. Ça nous fait gain 2-3 semaines. Non? Dernier quartier Pambosé que nous fait au Cap Haïtien. Quand nous avons retourné pour vous sur Fort Liberté, côté nous allons dès le début. Fort Liberté, nous finissons de faire mapping. Quand nous avons réalisé que Fort Liberté a besoin de gros problèmes lumière et de gros problèmes d'eau potable dans l'hôpital Fort Liberté. À ce moment, le ministère de l'Intérieur allait commencer à installer dans des points bien spécifiques des lumières à énergie solaire que nous connaissons, que nous avons financé et avec le ministère. Et le ministère a installé. Sous même base, à ce moment, nous avons la population a réagi favorablement puisque c'est ça que nous avons choisi. Ils ont choisi des côtés, par exemple, ils ont une plage au côté, que ils ont réalisé des grands piles viol parce que pas de lumière. Donc, nous avons installé deux lumières à énergie solaire dans la zone côté. Donc, ils répondent à besoin. Ils répondent à besoin spécifiques population. Par exemple, dans l'hôpital, ils ont un problème de l'eau potable. Nous avons acheté un appareil qui servit
avec qui transforme l'eau à partir de l'oxygène de l'air qui décompose l'oxygène là. Nous installer nous voyons un Delco puisque il besoin Delco avec comment on dit ça qui permet que courant entre et transformateur. OK, en même temps nous prend bagage énergie solaire et des panneaux solaires pour nous mettre avec des batteries pour le par exemple yo pas gain gasoline que yo ka appareil en ka servi appareil là pral desservi l'hôpital là 200 litres d'eau par jour. Donc nous intervenons sur des problèmes que la population a identifié elle-même et sur des projets que lui-même les jours que le besoin. Très bien. Donc automatiquement si ou moun intéressé le pour faire entrer dans quartier pas me poser. Pour le moment quartier pas me poser était target 11 villes dans 10 département yo pour parce que son projet pilote que lié pour nous voir comment il va réagir. Donc là maintenant et demain on va nous pral au CAI pour nous faire KPPA. Semaine prochaine nous pral Jérémy et nous t'ai décidé tout vu les problèmes qui a eu du côté de là où t'es côté matin dans pas voilà maintenant et Caracol. Nous pensons vu que gain un développement dans une espèce de bidonvillisation qui pral fait dans zone quartier pas me poser et qui a des problèmes qui vont apparaître avec toute quantité de monde qui pral déplacer dans zone là. Nous avons décidé que nous pral font quartier pas me poser dans zone là pour que population déjà identifier qui problème qui besoin comment pour réagir et automatiquement n'a pas intervenu sous lui. Dans un second temps nous gantons identifier aussi à côté de ces villes parce que et premier ministre il est extrêmement important pour songer que dans les discussions que nous avons eues, nous avons réalisé que des grands exodes qui étaient faits des provinces vers Port-au-Prince à cause du fait que tout bas était concentré sur Port-au-Prince. Décentralisation c'est justement fait que province Kavin autonome province Kavin gagne des activités pour que population retourne dans province. Donc dans même esprit ça dans quartier pas me poser nous réaliser que si nous développer seulement ville disons Gonaïve nous pral gain encore autour de Gonaïve ou exode qui pral fait vers Gonaïve. Donc nous avons déjà identifié 5 villes autour de Gonaïve, autour du Cap, autour de Jérémy, autour de toute ville que nous bagayons, de façon à ce que nous pral créer ça relé des pôles économiques qui pral permettre que si yo spécificité zone là, c'est par exemple si c'est une zone qui fait café et eh ben nous pral porter investissement dans café dans zone là pour que zone là ka bénéficier de spécificité pâle et que moun ki dans zone yo ka joindre travail dans zone là que yo pas obligé vin encore retourner par exemple avec nouveau construction que ministère là décidé que premier ministre a décidé que le pral fait Port-au-Prince pour que encore une fois ou pas un exode rural vers l'urbain qui pral vienne encore agrandi immensité population qui Port-au-Prince. Donc c'est dans ce sens que KPPA a fonctionné. Délégué Hugo, est-ce que vous comprenez l'explication bien qu'on y a? Ok. Moi merci ministre, qu'on y a la nouvelle passée dans la présentation. Un bail qui d'importance primordiale pour non seulement ville au Cap mais pour le Grand Nord qui c'est qui sa ministère intérieur a gagné pour le plan du séisme du Grand Nord. Donc ministère on nous parler environ 5 minutes et pour nous capable avancer sur ça rapide. Premier ministre merci encore pour me permettre d'aborder parce que nous gagne problème ça. Vous connaissez que ministère nous gagne en pile dignitaire en pile gros autorité et que nous invités pour travailler avec le gouvernement à Soya, nos réceptions. Donc, nous pouvons excuser nous que le conseil gouvernement allait un petit peu plus long que planifié. Nous avons planifié pour 7 heures, n'est-ce pas? Donc, nous pouvons obliger de mettre pour 8 heures et demie. 7 heures, nous avons fait 1 heure et demie, 1 heure et quart de temps de travail. Et puis après ça, nous pouvons recevoir. Eh bien, toute grande autorité avec dignité dans le département, dans la ville au Cap. Et encore une fois, son plaisir pour moi, pour que le gouvernement là, dans la ville au Cap,
et n'a fait un pile effort, n'a fait un, avec un pile motivation, n'a motivé ministre pour être capable de venir à besoin département avec ville locale. Monsieur Thierry. Merci, et Premier ministre. Et rapidement, moi je voulais dire que le ministère a un souci constant. C'est direction de la protection civile avec risque énorme que nous gagnons dans ça nous le Grand Nord de prochain tremblement de terre là. Et nous réaliser que faille dans Nord là pour qu'on bouge. Donc gon risque accru. Et dans ce sens, risque sismique en Haïti là, nous fait ça reler le plan du Nord qui comprend ni nord-est, ni nord-ouest et ni nord. OK? Donc, nous avons quatre points que nous avons fait dans la présentation. Nous mettons la mise en contexte. Ensuite, nous avons expliqué le plan du Nord. Nous avons étalé les lieux que nous avons fait et nous avons les étapes à suivre. Dans le deuxième. Le ministère, demandez des caméras de télévision qui ont filmé là, qui ont suivi là. Lorsque la présentation a fait, virer caméra sous présentation pour que reste mon cap suivre li nan pays non m'a regardé là et puis c'est sous ministre et puis c'est sous ministre coopération nous était là nous on fixé le sous présentation on met passer deuxième slide là. OK, n'a point que en haut nous, visiblement, l'organe de construction, ouais, que qu'on manque de planification et de régulation dans la construction. À droite, on va réaliser que son bidonville. Ça veut dire que qu'on densité, un attroupement de la population qui est énorme, une densité qui a grandi, avec un manque d'alternatives pour désengorger les villes. L'organe de construction qu'a fait, par exemple, en bas, on réalise que c'est des mauvaises constructions sans aucun standard qui pour bataille contre tremblement de terre, là, antisismique. Et dans plein contingence que vous avez pour les villes dans le nord, pas de yo pas jamais pensé à l'époque que ces islands sont arrivés. Donc, maintenant, nous avons le projet Grand Nord. Le projet Grand Nord, là, son bagage que nous dérapé, que le gouvernement dérapé, il y a à peu près un an de ça, en juillet 2011, qui pral fini en juillet 2014. Budget que nous gagnons, c'est 10 millions de dollars. Les partenaires, c'est le ministère de l'Intérieur qui pilote le projet. Il y a TPTC qui est avec nous et le bureau des mines et de l'énergie. Et les bailleurs, c'est le fonds de la reconstruction d'Haïti et la localisation, j'aime te dire, c'est le nord, le nord-est et le nord-ouest. L'objectif principal, c'est de réduire, c'est une réduction de vulnérabilité dans trois départements devant menace tremblement de terre. Ça n'a pas essayé faire, n'a pas essayé renforcer résistance infrastructure, construction et résistance population de façon à ce que population avertie, parce que nous ballons une espèce d'éducation pour le connaître, l'organe tremblement de terre, comment pour le réagir, pour nous gagner moins de monde mourir, moins et secousse tout, moins secousse dans perte dans vie humaine. Plan Nord-Lan, c'est des objectifs spécifiques. Premièrement, nous créons un comité de conseil risque sismique que nous mettons en place et qui fonctionne dans quatre capitales départementales. Nous, dans quatre grandes villes, nous réalisons un micro-zonage pour nous voir exactement qui côté Balanka frappe plus fort et comment pour nous réagir. Nous comptons évaluer et classer au moins 50% de construction qui bâtit. Il y a à peu près 6 bâtiments historiques que nous évaluons et que nous classons et que nous connaissons, que nous réagissons sous eux. Nous avons au moins 100 maçons, 30 ingénieurs du secteur public et 30 ingénieurs et architectes du secteur privé que nous avons formés et qui ont certifié. Et ça, il a fait Kounia. Il a fait Kounia. Alors, nous ne pouvons pas oublier, c'est sous 3 ans, Premier ministre. Donc là, nous avons un an, malheureusement, il y a des retards en vent. Mais nous accélérons, nous commençons, nous allons arriver là-dedans. Gen, au moins. Parlementaire qui vient là, député Ken. Député, comment est-ce? Bon. Nous avons. Bienvenue. Nous prenons au moins 3 écoles et 3 l'hôpital qui ont servi d'exemple
pour réduction de risque sismique et au moins 50% dans yo intégrer menace sismique dans pratique préparation yo. Projet a démarré avec institution gouvernementale et c'est état des lieux à que m'a dit. En mars 2012, le ministère de l'Intérieur et le PNUD et madame Margaret Wallstrom prend avion li déplacer dans pays d'Haïti, nous vinn cap haïtien pour nous lancer plan du Grand Nord. Nous démarrer 3 ateliers dans 3 départements. Nous faisons des consultations avec des comités, des conseils départementaux que nous mettons en place. En juillet, nous avons fini de mettre en place. Nous lançons avec des experts du bureau des mines des activités pratiques et des techniques de microzonage au Cap-Haïtien et à Fort-Liberté, côté nous avons plus pensé que l'attaquant doit frapper plus fort. Ça a fait le 27 juin jusqu'au 1er juillet, nous avons fait atelier ça. Nous faisons 2 ateliers de planification et de formation du personnel de construction à Fort-Liberté au Cap-Haïtien. Nous faisons des exercices de reconnaissance et de limitation des zones vulnérables au Cap-Haïtien, dans centre-ville, dans Fougeroll, dans Fort-Saint-Michel, dans Chada, dans Petit-Anse, Madeleine, Barrière-Bouteille, Bel-Air, Fort-Bourgeois, Richardville, Thivotaine, Sélicou, Cité du Peuple, Blue Hill. Nous démarrer prise des mesures géotechniques au Cap-Haïtien. Dans l'école, yo, nous intégrer risque sismique là dans formation l'école yo. Actuellement, nous avons près de 8450 élèves entre Port-de-Paix et Cap-Haïtien et 290 professeurs qui recevront une formation sur risque sismique yo. Nous avons une campagne de sensibilisation que nous baillons dans les médias yo. Nous former 186 jeunes volontaires dans la ville côtière yo avec pompiers au Cap-Yo pour pratique de sauvetage. Nous avons des ateliers de formation que nous baillons élus locaux et acteurs en gestion des risques et des ESAS. Nous faisons le Port-de-Paix, nous faisons le Saint-Louis du Nord, Fort-Liberté et Cap-Haïtien. Nous avons une étape qui vient pour suivre. C'est commencer avec le plan de contingence du Cap-Haïtien. Développer des plans de contingence sismiques pour les 4 grandes villes à partir de mi-juillet 2012. Nous allons commencer dans 2 semaines. Nous avons lancé volet 2 du projet, qui c'est étude de vulnérabilité des constructions, une formation en génie parasismique pour certains professionnels de la construction et rétroprofilage, la continuation des activités de microzonage. En résumé, ça me devait dire, c'est que plan du Nord, là, sous bout de 3 ans, la mettait des bases extraordinaires, mais elle n'a pas qu'à régler en 3 ans, totalité question vulnérabilité des villes du Grand Nord d'Haïti face à la menace sismique. Réduction du risque sismique mandé une démarche beaucoup plus proactive et puis il faut l'intégrer dans tout ça n'a fait. Tout pays a vulnérable à problème tremblement de terre. Nous besoin une feuille de route qui pour indiquer nous comment pour nous réduire risque sismique là dans tout pays. Le Nord d'Haïti, c'est peut-être zone qui gagne plus patrimoine culturel national historique là. Et devons-nous, en tant qu'autorité, en tant que gouvernement, en tant que monde responsable, c'est travailler ensemble avec secteur privé et institutions internationales pour nous protéger patrimoine national. Le Nord d'Haïti, c'est lui-même qui a des éléments extrêmement importants pour la refondation économique de ce pays. Le Premier ministre, et je me permets de parler en son nom, et le Président de la République, ainsi que tous les membres du gouvernement d'Haïti, sont intéressés à travailler avec le secteur privé pour assurer que les investissements que nous sommes en train de mettre en place et le cadre technique que nous mettons pour permettre que ces investissements soient durables, soit résilient et puisse réagir favorablement aux séismes qui vont arriver de toute façon. Donc c'est le message, encore une fois, que nous voulons donner au peuple haïtien et à tous ceux qui sont intéressés dans un avenir durable pour ce pays. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie. J'ajoute encore, pour avant de finir, en entendant le président tout à l'heure, qui disait qu'il avait reçu une décoration
d'une université qu'il allait, excusez-moi, recevoir une invitation. Je voulais dire que toujours dans le cadre du souci constant de ce gouvernement, nous avons au ministère de l'Intérieur initié un programme de stage pour des universitaires dans les 140 communes. Nous allons choisir 300 étudiants finissant dans nos facultés et leur octroyer un programme d'obtention de bourse. Là encore, c'est une initiative de la primature, bien entendu avec le ministère de l'Intérieur et bien entendu avec le ministère de l'Éducation nationale. Donc je voulais l'annoncer aussi à la nation. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie de cette opportunité. Félicitations, ministère. Ministre Pepla, à travail. Très bonne présentation. Je pense que après une présentation comme ça, je vais ajouter un bagage pour le ministre Jaco, c'est alerte là. Ce qui est important, c'est que nous avons un système avec compagnie téléphonique, Digicel et puis Natcom, pour que au cas de n'importe qui problème, pour nous capables d'envoyer des messages textes sous téléphone mounio, pour nous faire reconnaître que gagner une activité qui a passé, gagner donc une alerte par SMS. Ça c'est une. Pour le ministre Jaco, assure tout que nouveau caillou dans le code de construction que nous avons fait, il est important que nous parlions avec Mério pour que nouveau caillou soit construit pour yo anti-sismique, pour yo parasismique. Donc, Premier ministre, et m'a permettre de reprendre la parole pour me répondre sur deux points. Yo. Premièrement, il me dire que peut-être un mois à peu près, ou avez réalisé que moi qu'on est très occupé, donc peut-être qu'on pas entendre la radio vraiment, mais déjà une publicité qu'a faite en accord en conjonction avec Digicel que nous et protection civile là et moi quoi ministère et, c'est pas éducation, c'est éducation, enfin un autre ministère tout, nous déjà identifié des sirènes d'alarme sur tout tour Digicel yo, sirène pour tremblement de terre, sirène pour inondation, sirène pour du feu, ok, et nous guettons passer pour que population guettant familier avec elle pour que le jour que bah il a privé, il a bien sorti. Donc ça c'est mon premier bagage. Deuxième point que vous soulevez avec affaire de formation d'ingénieurs, forme du justement dans le dernier conseil ministre, nous t'es soulevé point avec le ministre des finances que nous t'es besoin de formation ingénieur municipaux pour nous te mettre non mairie, et c'est ça qui fait que nous demandons l'argent pour nous payer, parce que c'est eux-mêmes qui, à partir des permis de construire, pour exiger que la construction soit faite anti-sismique ou contre-sismique. Okay? Donc c'est dans ce sens que l'importance que font collectivités territoriales que nous demandons. Bon, Kounia Lam, t'as remercié, non seulement nous croyons dans la décentralisation à outrance, c'est pour ça nous là. Et maintenant, je tout saluer Island TV, que je dis que Gabriel transmet le conseil gouvernement aux États-Unis. Et je remercie Radio et Port-au-Prince, sans que je remercie Radio qui, dans Noyo, Gabriel transmet nous en direct. Je voulais parler de Radio Passion, Vénus, Étincelle, Contact et Voix des îles. Donc, nous avons que nous avons télévision la parole. Ma bonne belle bonne la parole. Ma baille. Daniel Supplice la parole d'abord et ma vine sous ministre communication après. Daniel Supplice, vous avez la parole. Merci. Merci le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, je ne vais pas intervenir avec chapeau, ministre haïtien vivant à l'étranger. Ministre Maya Paul tout à l'heure a effleuré l'importance patrimoine historique que nous avons dans nous. Et si le site de Ramier, parc historique là, sans souci, représente. Ben, un petit volume, ministre. Représente pour nous. Ministre. Parce que je ne m'attends bien. Ministre communication, si tu veux. Test micro là, s'il te plaît. Test. Ok. Et ministre Maya Paul effleuré tout à l'heure là, l'importance patrimoine et nord là. Mais moi, je dis que je ne peux pas réagir là sous chapeau, ministre de l'étranger, je ne peux pas réagir en tant qu'historien
et qui est extrêmement préoccupé par fragilité, construction et patrimoine historique. Ça. Et comme vous connaissez, M. le Premier ministre, Haïti, c'est le seul pays au monde qui gagne des lignes de fortification qui succèdent par tranche et à partir du littoral, qui est des structures coloniales, pour arriver à l'intérieur des terres qui sont structures nationales. Et c'est des constructions architecturales qui font un crampon. Ça veut dire que qui pas qu'à résister à aucun séisme. La preuve, c'est que le fameux tremblement de terre du 19e siècle, c'est lui qui mettait site sans souci en Italie là. Et oui, 7842. Et c'est lui-même tout qui a créé une fissure importante au niveau de l'éperon citadelle. Et il se pente font patching et cosmétique de l'éperon ça. Mais nous clairs, nous-mêmes qui intéressés dans l'histoire pays ça, que si ce patrimoine est considéré comme patrimoine mondial au niveau des instances de l'UNESCO et des autres, mais pour nous-mêmes haïtiens, le parc historique du Nord sont assets historico-politico-économiques que liés pour nous. Et malheureusement, et ce n'est pas qu'une barre accordée d'importance à Moun. Comme le monde de juin 1942 a été tué moitié population haïtienne avec un tsunami qui a détruit une série d'infrastructures, c'est évident que le ministre Mabol mentionné, et 150 ans plus tard, il y a un build-up de pression fait qui fait que nous sommes capables valablement d'imaginer que on devrait s'attendre à un tremblement de terre de magnitude assez importante. Si ça arrivait, là ça arrivait, parce que de toute façon, inévitablement, ça arrivera un jour, tout le patrimoine historique national du Nord est en danger, parce que faille là, son faille qui sortit au sud de Cuba, qui passait entre l'île de la Tortue et la Grande Terre, et qui a atterri jusqu'en République Dominicaine dans la ville de Santiago. Ça veut dire que c'est toute côte nord la net qui est en danger, et on ne peut pas se permettre historiquement de perdre ce patrimoine unique, tant au niveau architecture qu'au niveau historique. Donc moi-même, je me fais là maintenant l'avocat de ce patrimoine important. Pour nous, je me dis à là, ce n'est pas seulement un aspect historique, mais son aspect politique et son aspect économique. Donc je me présente comme l'avocat de ce système et aimerais que dans le risque sismique, il est extrêmement important qu'on protège la population. Mais parallèlement, ce patrimoine mérite d'être protégé parce que c'est l'une des rares choses que ce pays encore a. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup, ministre Daniel Supplice. Et m'bral ba la parole ba ministre communication et m'entaien men tout saluer tout moun Boston yo qui sous télé Boston k'ap koute nou et nan radio Haïti International qui nan New Jersey. Donc définitivement ça gen tout le monde entier k'ap gade nou la ou bien k'ap tande nou et yo fèm konnen tout que c'est que sélection nationale U17 là devant Sainte-Lucie 1-0. Donc, nous encourageons de continuer comme ça. Ministre de la Communication Adi Jean-Gardi, vous avez la parole. Oui, nous ne pouvons pas parler trop longuement, mais simplement on a signalé concernant ça, député Josité dit tout à l'heure, c'est concernant route dans la zone Milo. Il y a une réserve, d'après information qui vient de joindre nous dans le ministère de la Communication, réserve la sortie directement dans l'ISPAN. Qui lui-même a étudié la question route ça et qui est capable d'affecter quelques éléments au niveau de patrimoine, là, au niveau patrimoine historique. Là. Donc, nous avons souhaité certainement que la question ça, travaux publics, t'as capable de garder directement avec, avec ISPAN par rapport à l'information que nous avons, mais que nous pourrons vérifier et que nous ne sommes pas sûrs que c'est réel. Deuxième bail, je l'ai dit, c'est concernant couverture journée aujourd'hui, c'est le conseil de gouvernement ça. Ils ont très très grande couverture au niveau médiatique, gagné différents stations radio et télévision, surtout dans la ville-province, au CAI, Jérémy, Fort Liberté, qui a retransmettre réunion ça, et puis en même temps tout dans la diaspora, Boston, j'en dois signaler, et information qui vient joindre nous, c'est que West Palm Beach et en même temps Naples a retransmettre conseil des ministres. Et conseil gouvernement, conseil qui, gouvernement. Parce que nous parlons président par là encore, donc nous venons donner un conseil gouvernement. Et ministre de communication, tout, bon, ministre PT, c'est pas grave la parole encore, parce que sinon, m'ap quitte parler net, et bien après ça, nous-mêmes, nous parlons. Non, mais pour le ministre de communication, il y a un journaliste dans notre destio qui dit que la dernière fois que nous faisons une réception pour la journée, latino-américaine de la presse, là, eh bien, on va t'inviter, journaliste nord-est,
Donc moi te dis yo, tant pis s'il vous plaît, d'après le vin là, d'après le mando, pas oublier journaliste Nord-Est yo, prochaine fois qu'on font réception, s'il te plaît. Nous t'ai invité yo et faut nous gagne représentant de Radio Gamma for Liberté qui t'es là. Na tourner bon, eh ben on amène pas te représenter. Donc on assure nous que nous dans décentralisation net allé. Kounia là, c'est le tour de ministre touriste là, ministre Stéphanie qui va parler nous de qui ça qui perspective touristique yo soit faire pour préserver site yo, soit faire pour développement touristique, soit faire pour l'Abadie, soit faire pour Ville au Cap, soit faire pour le Nord ou bien la parole. Merci PM. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde qui attend nous au niveau du Nord, chers collègues parlementaires qui là yo, m'aime saluer directrice départementale moyen Dieu donne l'humaitienne qui a font excellent travail dans département Nord, là me félicite Dieu donne. Et je vais répondre rapidement à propos collègue moi qui parlait de route là. Route 1001 c'est pas le problème là, c'est route RN3 que on dit que justement c'est même pas l'ISPAN, c'est l'UNESCO. Je nous connais parc national historique là classé patrimoine mondial. Donc toute intervention que le gouvernement fait dans parc ça faut gain aval et accord l'UNESCO. Donc c'est UNESCO qui dit que c'est pas normal que nous gagnons patrimoine aussi connu mondialement et que route nationale là passé en dedans parc là. Donc effectivement, nous t'ai parlé avec et collègue moi TPTC Jaco qui t'est rapidement et moi qu'elle a annoncé le tout étudio en cours, c'est ça Jaco pour faire déviation hein, mais quand même secteur touristique l'a demandé que route là quand même qui relier parc là à Dondon, ta quand même une route praticable touristique pour qu'on inclue Dondon l'un produit touristique parc national historique là. Donc justement PM Jean annoncé là département Nord là son gros département, son département qui gagne en pile attraction patrimoine et culturel que nous ca présenter et faire promotion comme des produits touristiques. Mais d'abord pour permettre moi une introduction pour moi signaler tout le monde qui ça qui fait en destination touristique. Premièrement c'est accès yo. Première question qu'on nous poser leur appelant son destination, comment ou arriver là. Donc, il faut gagner un aéroport, il faut gagner une route interne et il faut gagner un produit. Donc là, je nous connais touristes dans son secteur transversal lié. Ministre Jaco fin parler de aéroport, hein, son superbe nouvelle pour le secteur touristique. Là. Il parlait de route yo, et me demandé justement PM là, bon, trois interventions au niveau de route yo. Nous te connais une route bête la cule là, à permettre nous pour la première fois prendre des touristes de Wild Caribbean. PM l'a dit, il y a 600 000 excursionnistes qui arrivent par année. Et où ça permet de nous prendre partie dans le tourisme pour nous mener au parc national historique pour nous faire visiter. Donc, c'est très important pour nous, ministre Jaco. L'autre route, là, qui c'est route Labadie, Cap-Haïtien, sont l'autre façon tout que touristes, yo ka sorti là-bas, yo ka sorti Labadie et yo vin visiter Cap-Haïtien pour créer une deuxième excursion. Et troisième route, là, nous fait parler, c'est RNH, là. Donc, justement, je voulais seulement dire nous comme information. Au niveau du Cap-Haïtien, ces alentours, nous avons à peu près 212 chambres d'hôtel seulement, qui ont hébergé 350 personnes, qui pas en rien comme on réservoir de chambres d'hôtel pour nous gagner bientôt on Boeing et de 300 places avec l'aéroport international. Nous. Donc, nous vraiment nous besoin de pousser investissement et hôtel dans le Nord. Là, moi, j'ai un projet sous lequel je travaille. Côté, moi, j'ai 7 hôtels actuellement qui voulaient augmenter la capacité de chambre. Et j'ai parlé avec collègue ministre, avec ministre des Finances, pour que nous voyons comment nous avons un fonds d'accompagnement, un fonds disponible pour nous augmenter dans 6 à 8 mois de 212 chambres l'hôtel à 512 chambres l'hôtel. Nous avons un projet pour nous augmenter, nous voulons un accompagnement et financier, secteur privé, nous travaillons justement avec Mike Amel là-dessus et Charles Castel dans BRH. Donc, nous avons parlé de aéroport, nous parlé de route interne, qu'on y en a parlé de produits. Produits, c'est ce qui est plus important parce que c'est ce que nous avons fait promotion ville, promotion région Nord.
Actuellement, le ministère du Tourisme, avec le premier décaissement que le gain qui est de 45 millions de goudes, n'a pas mis pour zone Nolan. Et je vais parler rapidement dans trois tableaux de qui sa intervention est 27 600 000 goudes. Qui sa intervention sa yoye, c'est pour nous créer et faciliter l'infrastructure de base dans différents circuits touristiques pour que les touristes dans leur vini, les cas jeunes ont une première infrastructure qui a recevoir. Donc là, Noël, premier bail, c'est kiosque d'accueil dans l'aéroport cap-haïtien. Pas qu'on est sous cas confirmé, Emini Jaco, il dit nous que kiosque ça, terminal ça prêté quand même pour les vols régionaux. OK, parce que je connais le gros terminal la fête, donc c'est pour ça que le ministère a fait intervention pour nous mettre en kiosque d'accueil dans l'aéroport international là, et que nous pourrons inaugurer justement le 14 juillet. Deuxième intervention, c'est signalisation écotouristique du parc national historique. Alors, pour moi répondre à collègue moi Daniel, parc national historique, là, ça c'est priorité numéro un, Elispan. Et ministère culture et ministère tourisme pour nous récupérer parc ça. Et bon, parler déjà aménagement sans souci et son dernier on appuie que n'a bail festival que directrice départementale Lan Dieudonne Luma a fait que c'est festival de la mer qui a fait 13 14 15 juillet et justement c'est pour créer événement touristique Lan Nolan. Donc nous pral gagner et nous pral gagner Jacout. Mais ça me demande mini Jacout tout à l'heure. Nous pral gagner Jacout donc bon fini père. Nous pral gagner ensemble à l'aéroport. N'a pas gagner Jacout number 1 dans village Labadi le 14 juillet. Donc ça son première parce que c'est première fois que n'a fait un événement dans village Labadi. OK, donc ça ce sont des photos du kiosque d'accueil de l'aéroport du Cap-Haïtien. Je nous connais, l'aéroport, c'est le premier centre d'accueil de tous les touristes. Donc, il est important pour nous recevoir les touristes bien. Ça n'a pas inauguré le 14 juillet. Combien de kiosques? C'est un seul kiosque PM, c'est l'aéroport à Petit. Donc, son seul kiosque, nous allons mettre deux hôtesses, nous allons gagner des informations sur le site touristique là. Là, par exemple, un client besoin de chauffeur, taxi, là, pour prendre information dans le kiosque là. C'est un gens pour nous récupérer les touristes là, au Vini, là, nous allons information. Donc, nous allons gagner un kiosque et le terminal actuel là. Nous allons inaugurer le 14 juillet. OK. Deuxième partie projet, hein, et c'est projet ça qui est important. Je nous connais, nous t'ai sorti une note de presse là. Moi, j'ai accompagné le premier ministre en Washington dernièrement et nous avons fait une rencontre avec la Banque mondiale, un bailleur de fonds, qui a mis à la disposition du Grand Nord pour permettre nous implémenter projet touristique dans le Grand Nord, 44 millions de dollars américains sur 3 ans. Donc, voilà, donc, faut me préciser, voilà et les premiers. 44 millions. Dollars américains. Dans le nord, il y a préparti le parc national historique, mais tout projet est listé. Donc, Jean et il parlé que nous calé Jacmel. Nous calé Jacmel. Non, Bradio, nous tellement calé Jacmel que nous avons l'autre montant de bid de 2,5 millions pour créer l'organisation de gestion de la destination. Donc, Nolan, effectivement, calé Jacmel dans ce sens-là. Très bien. Bon, nous pas parler, c'est-à-dire que là, c'est pas le gouvernement parce que nous-mêmes, nous avons développé tout le pays. Et nous devons souligner ça. Restauration citadelle là, il y a un pile SOS, il y a un SOS pour ça. Et je dis à la lèvre d'Avine, là, je passe devant citadelle là, ils sont un site vraiment merveilleux, ils sont un site extraordinaire. Que faut que le gouvernement, d'ailleurs, ce n'est pas le gouvernement matériel, c'est quel que soit le gouvernement qui vient, quel que soit haïtien, de nous, un site comme ça, son source de fierté nationale et son signe, vraiment, son symbole, que faut pas gagner ni moyen, ni quoi pour ne pas investir, pour ne fortifier et maintenir le site ça. Tout à fait, PM. Et pour me dire que matin, j'ai eu une longue conversation avec le directeur Ispanri, Robert Jolibois, que m'a profité saluer, qui a collaboré de très près avec le ministère touriste, parce que je n'ai pas de droit à moyen, citadelle, si je n'ai pas d'accord Ispan avec l'UNESCO. Donc, même si je n'ai pas d'accord, je n'ai pas investi. C'est l'UNESCO qui pour nous toute
et autorisation et droit pour nous manger en bagaille en parc national. Eh bien, mais écoute, non, mais c'est pas, m'pap dit ça parce que son blocage non PM. M'pap dit ça pour renseigner, pour m'informer tout le monde que son bagage, son patrimoine mondial, il pas même. Mais urgent pour commencer. Non, tout à fait, tout à fait. Donc là, nous avons une restauration. Tout travaux ça va commencer en janvier. Et faut que PM la prend au moins 2 à 3 ans, parce que restaurer des fortifications, ça prend énormément de temps. Et bon, l'idée est assez pour nous continuer. Pour commencer, voilà. Continuer. Donc, moi, qu'à assurer que en janvier 2013, toute porte là prend chantier. C'est-à-dire, nous parlons des équipes de architectes de monuments, de patrimoine mondiaux qui sont sur place. UNESCO a bien temps à assurer qu'il y a une équipe pour nous. Et l'IPRAL, il y a implémenté un projet pour 44 millions. Même si tu es bien vite, et nous parlons restaurer complètement la citadelle. Ou bien, site fortifié des Ramiers, son site que ont abandonné complètement. Et c'est pour la première fois, ça va être le gouvernement, pas nous, qui va restaurer ce site. Ça. Le parc historique, là, ou bien, citadelle, Ramiers et palais sans souci. Mais nous ne pouvons pas parler de Ramiers parce que il est vraiment en arrière et nous ne pouvons pas restaurer. Donc, comme ça, va restaurer la fortification des Ramiers. Nous avons les jardins du roi que nous allons reprendre, chapelle sans souci, hôtel de la Monnaie. Nous avons aménagement. Projet, c'est intéressant parce que l'Ibral fait des aménagements l'an Milo et l'an Don tout. L'an Milo, il y a un réseau luminaire que va mettre en place, eau potable. Il va créer un atelier du roi pour artisans et aménagement de la place publique. Don même bagaille, il y a une électrification eau potable et mise en valeur de sites touristiques parce qu'en Don, il y a des grottes. Et Nyoka, justement, fait partie de produits Parc National Historique là, pour diversifier les produits. Hein. Et nous allons recevoir plus de touristes comme ça. Et ça n'a fait pour Grande Rivière du Nord. Donc ça, pardon PM. Grande Rivière du Nord. 300 ans, Grande Rivière. PM, m'a expliqué. Nous avons un plan d'action que nous avons mis en place qu'on y a. Permettez-moi, on finit ça, on commence, hein? On fait le bien, parce que malheureusement, Parc National Historique, nous tous nous dit, là on fait discours, le président fait discours, le moi-même fait discours, nous tous là nous dit, c'est notre patrimoine, nous remets citadelle. Ou allez, je dis, pas bon monde valable qui a recevoir concours touriste. Ou pas bon panneau qui dit combien de cobres entrer à yé. C'est la vérité, pas bon, sous besoin, on va aussi simple, poil pipi, pas bon toilette potable. C'est vrai. Donc, on nous travaille sous patrimoine que n'a fait promotion hein, tout le temps. Et on nous... Eh bien, très bien, d'accord avec vous. Vous avez 5 secondes pour le ministre intérieur l'Intérieur dans le programme de décentralisation qu'on va faire. Le président de la République, là, il était à Grande Rivière du Nord, il était accompagné. Et il y a une de requête, non seulement député, mais tout le peuple Grande Rivière du Nord, c'est place publique là. Pour rénover place publique là et clôturer et rénover avec panneau solaire. Donc au moins ça, je pense que dans tout programme que tu as cité tout à l'heure, il faut que je dise, ou mettre répondre après, mais je veux signaler ça, mais son urgence pour commencer ça. Stéphanie, ministre Stéphanie, continue. Ok, ça c'est une photo citadelle nous, et côté nous qui signalé avec flèche, c'est quoi David? Donc, tu voulais PM, là, il m'a regardé ça un petit moment. Merci. Ça, c'est quoi David, là? Et c'est lui qui façade citadelle, là, et c'est lui qu'on y a qui en danger. Donc, il a sauté tombé. Donc, ministère du tourisme avec fonds et pipli, il a mis des corps pour mettre des poteaux pour Kakembel. Donc son travail qui va commencer fait en août parce que c'est des poteaux spéciaux. Nous avons un film dans tout bas. Normalement c'est l'ISPAN qui a fait commande poteaux yo et qui va l'installer yo. Et commande poteaux. Il prend 3 mois pour faire installation hein. Parce que chaque son dossier qui est très compliqué patrimoine. Donc faut nous comprendre complexité. Ça qui est important c'est que gouvernement comprendre l'importance li gen fond là pour ka restaurer et nous pral avancer l'on plan d'action bien précis pour nous arriver faire ça qui est important mais son bail qui très complexe pour restaurer un patrimoine pareil. Donc m'a continuer avec présentation là pour nous parler de ça. Ce sont des aménagements que nous pral faire au niveau de Choiseul.
nous gagnons un point 1, là nous allons construire étape pour chevaux, et nous allons construire bloc sanitaire avec centre d'accueil. On peut continuer la présentation. Okay. La partie 44 millions de dollars, yo, gen on partie qui prale pour le vieux cap, pour nous créer un circuit touristique au vieux cap comme n'a fait le centre historique Jacques Mellan. Donc pour nous créer un rue piétonne, pour nous faire ravalement des façades et pour nous réaménager ancienne prison. Donc projet pour cap haïtien, c'est ancienne prison, bord de mer là, récupération du bord de mer. Aménagement de l'entrée de la ville, aménagement du marché de Cuny, côté nous pourrons investir près de 106 millions de goudes, circuit touristique du centre historique du Cap-Haïtien et assistance technique et formation touristique. Et PM, moi t'ai annoncé déjà, le campus Limonade, le montant ça n'a bien assez fonds pour nous créer. Nous avons créé une école d'application avec 4 chambres d'hôtel et une cuisine professionnelle pour nous faire une formation touristique et hôtellerie dans le nord. Donc, nous avons fonds pour ça. Et je nous connais, nous parler en pile de création de circuits touristiques. Ça, c'est un projet pour nous prendre un client là-bas, pour nous faire aller visiter le parc national historique et le Cap-Haïtien. Et ça sont annonces tout que m'a fait et m'a profité faire aujourd'hui. Débarcadère touristique Baie de la Culan a commencé en septembre année ça et l'a inauguré en janvier 2013. Donc dans 5 mois, n'a gain on débarcadère la Culan mais projet en là justement et c'est là que li pralier dans Baie de la Culan. Donc leur qu'on y a mini Jaco, n'a gain route Baie de la Culan Milouan. Nous n'avons pas aucun problème pour nous recevoir navette Royal Caribéenne pour nous recevoir touristio le parc national historique là. Donc ça c'est un accès sous glo que nous bail et nous avons confirmation que en janvier 2013 n'a inauguré. Bon malheureusement l'image n'est pas bon parce que là nous avons identifié un circuit touristique l'envieux Caplan pour nous mettre, pour nous cabaler justement en allure touristique. Donc, son travail qu'a fait avec justement fonds et Banque mondiale dans tout. Et pour terminer, je voulais parler rapidement de l'aspect promotion. Je nous connais le ministère du Tourisme lancé en campagne, ça fait 3 mois de changement d'image de la destination. Nous allons plusieurs côtés en Amérique du Nord. Et dernier côté que nous allons, c'est Saint-Domingue. Nous avons participé à Haïti, un pays à l'honneur à la Bolsa Touristique del Caribe. Et Jean-Noël, dans la photo, nous avons fait promotion le Grand Nord et l'autre destination touristique. Yo. Là, nous avons une photo avec le président de l'Association touristique du Nord, Dieudonne Luma, directrice départementale du Nord. Et c'est un grand succès pour le Nord comme multidestination avec Porto Plata que nous avons essayé de faire promotion. Bon, ça, c'est toute conférence de presse que nous avons pour changement d'image d'Haïti au niveau de la République dominicaine. Et nous avons dit qu'il y a à peu près 20 articles qui sont sortis avec des articles positifs sous destination Haïti. Vas-y. Et justement, moi prends l'opportunité pour moi prendre quelques articles qui sont sortis pendant le week-end. Côté nous, à Lille. Bon, malheureusement, ça a bouché, mais elle a parlé de Proximo Destino Haïti. C'est-à-dire, ils reconnaissent la presse dominicaine que Haïti est une destination touristique. Là, nous avons une photo de la cathédrale Cap-Haïtien. Là, nous avons une photo et Palais Sans Souci. Elle sortit dans le journal dominicain pendant tout le week-end. Plus de 20 articles pour nous repositionner destination. Donc, et merci PM. Je quitte la parole pour faire une annonce. Et pour 17 novembre. Donc, ma bonne parole. Bon, et merci pour la parole là. Et maintenant, mais qu'on parle tout un petit cal. Bon, vous m'avez fait annonce là. Vous m'avez fait annonce là. Et mais tout haïtien l'autre bord de l'eau qui attendait, n'a parlé du Cap haïtien, n'a parlé du Nord, n'a parlé de richesse que nous gagnons, n'a parlé de beauté ville là, et n'a parlé de sa gain de bon dans le pays. En pile fois, médias yo, internationaux yo, yo remen parler de ça que Haïti gagne qui pas bon.
eh bien, nous-mêmes, nous pas d'accord. Nous disons que nous avons un bon travail qui est bon, tout dans le pays, a, et nous avons travaillé pour nous renforcer, et nous avons travaillé pour nous mener dans un niveau qui fait chaque Haïtien fier. Haïtien qui l'autre bord de l'eau, le nal fait vacances, nous. Le, nous avons un petit cob, ou le nal dépenser dans Bahamas, ou bien nal dépenser dans Turks and Caicos, ou bien nal dépenser dans l'autre ville, vine dans le pays, nous. Vine dans ville au Cap, vine dans le Nord, vine ouais belle université qu'a fait dans Caracol, vine garder projet qu'a fait dans ville au Cap, vine bien dans l'an pays nous, vine ouais vine prend soleil nous, Haïti c'est pas nous et nous 4 millions monde. Combien touristes qui entrent l'année dernière en Haïti? 300 000 touristes qui entrent dans le pays. Il y a 600 000 qui arrivent là-bas. Dit. Ça fait 900 000 alors. Donc 900 000. Ça, c'est excursion dans le Royal Caribbean qui monte bateau, qui vient, font journée et reparti. En termes de tourisme, il y a 300 000. Qui est l'objectif pour vous? Son jeté dit ça. Je vais tourner sous dans la fin d'année avec ça. Donc, objectif, là, c'est pour nous faire promotion. De culture nous et touristes culturels là li en hausse et touristes ap chercher justement un touriste culturel des destinations qui gagne qui fait sens pour yo qui gagne un historique un passé riche et Haïti représente ça peut-être que touristes étrangers yo Haïti beaucoup paré mais en tout cas haïtiens 4 millions d'haïtiens me font appel direct ils me font appel national by tout haïtien qui à vivre et qu'à attendre nous là. Nous connaissons que nous avons retransmettre dans toute diaspora. C'est avec nous m'a parlé directement. Mandez-nous, en nous bas Haïti, une chance. Venez investir en Haïti parce que l'investissement, ça, c'est lui-même qui permet de nous mettre le pays à côté que tout le monde veut. Nous voulons un pays qui a une sécurité, un pays qui a fait promotion tête-là. Et c'est avec Haïtien qui l'autre bord de l'eau, comment c'est quoi dans le pays nous. Avec nous, n'a privé. Merci beaucoup, ministre. Merci, PM. Pour moi, annoncer justement, nous avons une belle représentation, Ballet, Régine, Rosier Trouillot, qui a parlé de la vie de Henri Christophe et de sa naissance et de sa mort. Et justement, nous avons remercié tous les collègues, moi, Marie-Camel. Nous avons parlé en venant ici. Et nous tous les deux, moi-même, j'ai participé, nous t'ai joué un écho et belle représentation ballet et folklore, ça t'est bas, il t'est fait. Et moi-même, il t'est permis de revivre l'histoire et connaître vraiment qui est-ce qui était Henri Christophe. Donc, avec concours ministère financement, gouvernement, pour le patronner le 17 novembre, représentation ballet, ça, lance un souci pour mon honneur. Donc, là, pour une belle occasion. Pour nous monter et créer un événement historique dans le Nord. Et comme PM l'a dit, appel à toute la diaspora pour venir supporter belle représentation ça. Donc la fête le 17 novembre au Palais Sans Souci. Rapidement, pour nous continuer, lutte contre la pauvreté extrême, non, c'est un point central du gouvernement. Et nous décider que tout ça n'a fait pour nous baisser niveau pauvreté dans un pays à qui trop élevé. Haïti c'est un pays qui est pauvre au monde, mais nous c'est un pays tout soit regardé sous classement international là, probablement pour un classement ça. Mais Daniel Suplice soit d'accord avec moi que pendant que Haïti c'est pays qui pauvre là, mais c'est nous c'est un pays tout qui est fier. Donc nous gain fierté nous. Nous croyons dans le pays, nous croyons dans tête, nous gouvernement ça, nous croyons là-dedans et nous croyons que n'a mener pays à dans l'autre direction. Donc nous mandé moun yo faire nous confiance marcher avec nous parce que nous pas venir pour nous perdu. Gagner lutte contre pauvreté dans 6 haïtiens sur 10 à vivre avec moins que 1 dollar par jour en Haïti journée aujourd'hui. Moun grand goût, il y a pile pauvreté dans toute la rue. Gen en pile misère, gen
moun a vivre dans mauvaises conditions. Donc toute action gouvernementale là, li axée autour de lutte contre pauvreté extrême et réduction de inégalité, en pile inégalité dans pays là, et c'est rôle responsable pour travailler pour baisser inégalité yo et améliorer vie population. Nous t'ai créé un nouveau ministère pour ça, nous met des ministères là, nous bal une mission spécifique pour li travail, pour li adresser problème misère, pour li adresser problème grand gouyo et pour canaliser tout aide internationale là à lutte contre chômage ça qu'a fini avec peuple là. Donc nous mandé ministre affaires sociales là tout prend toute disposition m'ral bon la parole tout de suite ensuite m'a tourner sur ministre et contre pauvreté extrême là. M'ta aimé konnen pour ville au cap là en pile misère peuple là a souffri mais gen en pile espoir tout parce que dans tout pays à moins ouais département nord là gen en pile espoir gen pile mouvement pile ba a fait. Donc ministre touriste là sont font belle présentation mais moi ta rien même mandé au ministre on sort so a fait sa ministre là a fait pour moun dans noyo. Merci PM, chers collègues du gouvernement, honorables parlementaires, secrétaire d'État, directeurs généraux, les délégués, amis de la presse. Son bas fin doit bon. Mettez l'on petit calpi peu. Merci PM, chers collègues du gouvernement, honorables parlementaires, directeurs généraux, délégués. Dans du Grand Nord. Il y a un impact qui m'a laissé créer au niveau du ministère des Sociales, c'est que à partir de 22 juillet jusqu'à 15 septembre, nous allons essayer de mettre des types et directement les plus vulnérables, à savoir quelques cantines communautaires générer revenus. Que nous avons pour le Grand Nord. Il y a un programme qui est le PARCH. C'est un programme d'appui au renforcement de la société civile que nous y a là, qui est capable de couvrir trois départements. Le Nord, le Nord-Est et le Plateau Central. Enveloppe là, environ son enveloppe qui est déjà disponible. L'Union européenne. Son projet qui est pour mission pour les bases. Nous devons faire mise en place. Qui sont enregistrés, point avec un. On peut dire que oui, ma reprendre, c'est un projet dont enveloppe, c'est 53 millions de gourdes qui est déjà disponible. 53 millions de gourdes déjà disponibles qui pour renforcer la société civile en commençant avec les communautés de base. Nous avons fait mise en place de gérer un projet SAO dans trois départements, qui c'est le Nord, le Nord-Est et le Plateau Central. Grand partie d'un projet a. Il y a 16 millions de gouttes qui allaient vers achat d'équipement, donc moto, ameublement et rénovation physique bâtiment. Et puis il y a 36 millions qui vont aller directement vers ces communautés de base. Bon, le protocole de départ, c'était que pour aller directement vers les organisations qui sont dûment reconnues
et enregistré. Moi, je fais un plaidoyer avec Barreau de France, dire que une organisation qui est reconnue, qui est enregistrée, pas forcément active. Donc, il faut regarder aussi qui groupe qui est organisé, qui n'est pas enregistré, mais qui est utile sur GTA. Je suis d'accord avec moi. Sur ce point, on va lancer un appel d'offres pour une firme indépendante qui va travailler avec les trois bureaux régionaux que nous avons dans le Nord, Nord-Est et par le Central pour nous sélectionner les communautés et les agences de base qui vont bénéficier de projet. Son projet qui est là pour 3 ans, mais la première fois, ça parle de temps sur 12 mois et qui a coûté nous alors environ 36 millions de gourdes qui est déjà disponible pour nous déraper d'ici le mois prochain. Merci beaucoup, ministre. J'aime d'Abdoulan, l'emtenant d'avoir visité le parc industriel là tout à l'heure. Mais ouais, on coquait une chaîne cantine. Coquait une chaîne cantine moderne qui a pris presque 800 moun à la fois. On aimerait qu'on aille visiter cantine ça. On aimerait que nous cap gain une cantine comme ça par département. Et on gagne un cobla pour nous t'ai approuvé 3 millions de dollars dans Petro-Caribéa. N'a baoul pour faire 10 cantines, une cantine par département. Et cantine ça yo, depuis nous avons cantine nan son maman cantine saisi. Les moi cantine ça dans parc industriel là et c'est cantine ça qui peut desservir tout le monde dans parc net. Cantine nan très impressionnant. Moi c'est cantine ça yo moi pour pays. On ba tout bon. Cantine sérieux. Donc, et sous l'édifice là tout, bah sérieux. Donc, là, nous t'ai approuvé 3 millions de dollars dans Fort Petro-Caribé, nous allons passer au lit. Pour que dans le prochain conseil, là, on doit dire combien de cantines nous allons construire. Faut aller vite, nous allons être pour nous perdre. Nous allons être pour nous perdre. Donc, nous allons demander tout. Et même concrètement, en bon français, ça n'a pas fait pour ville au Cap. Qu'est-ce qu'on fait pour la ville du Cap immédiatement? Bon. Et pour le Nord, ah ouais, pour le Nord débuter Gluck Facha avec moi. Justement, pour le Nord, nous avons 53 millions de gourdes là qui sont disponibles qu'on y a là, dont 16 millions pour aller pour acquisition d'équipement, motocyclette et armement. Soit pas bon. PM, il y a 53 millions de gouttes qui sont disponibles à Konyala pour le Nord, pour les trois départements, Nord, Nord-Est et par le Central, et le Centre. Sauf que, il y a un protocole de décaissement. Nous avons mis en place de ressources humaines qui pourraient gérer le projet SAO. Konyala, nous entendons avec le bailleur de fonds pour nous recruter une firme indépendante qui pourrait aider nous à identifier les organisations de base qui méritaient pour nous renforcer pendant un an. Ensuite, des grands programmes, effectivement, de créer activité qui a généré revenus dans le Nord, mais ce programme que je vais planifier tout dans le fonds Petro-Caribéa, comme je suis en Chita déjà, avec le ministre financier, vous me lancer. Donc, on est là, ça m'a fait, on va faire un programme intégré, que nous avons commencé par des départements, au fur et à mesure, qu'on a des impacts, qu'on est là directement dans le Nord et vers les plus vulnérables. Bien. Donc, probablement, on a début de semaine, on a fait une rencontre pour être capable de travailler sur la question de la cantine, ça, qui est très important. Et on a mis surtout dans une zone qui est plus défavorisée, et ça prend l'autre exemple de lutte contre la pauvreté extrême, côté que nous avons mis le peuple à manger. Bon, j'en mange dans bonnes conditions. Ministre de la pauvreté extrême, je connais que vous avez travaillé en pile. Sous question de pauvreté extrême là j'aime dire là faut nous concentrer nous sur un projet qui simple qui caractérise rapidement en dans population pour baisser misère à grand goût. Donc pour ça ben c'est que faut une stratégie nationale pour goumer contre pauvreté extrême là. Pour moun qui pas connaît yo m'a profité rappeler que définition pauvreté extrême là c'est tout monde qui a
avec moins que 40 gouttes par jour. Les vins, les gens qui ont moins que 40 gouttes par jour, ils viennent entrer dans une tranche de pauvreté extrême. Et dans le monde, il y a 60% haïtiens aujourd'hui. Ça veut dire 6 haïtiens sur 10 vivent avec moins que 40 gouttes par jour. Et il y a des petits gens, il y a un loyer qui est pour payer, il y a une situation qui est vraiment désastreuse. Et nous-mêmes, nous voulons aider la population qui est plus défavorisée, qui plus a un problème. C'est pour ça que nous mettons un programme l'école gratis, qui a 1 million de petits gens là dans le Kounia. Nous mettons un programme de transport gratuit, nous renforçons le programme ça. Programme dignité, nous allons renforcer le programme. Non? Nous mettons un programme de protection sociale à travers des transferts vers les gens qui n'ont pas gagné. Le programme ça est inauguré, il a commencé le projet pilote là dans la Cité Soleil. Et nous allons étendre dans tout quartier populaire à travers le pays. En pile, les gens ne comprennent pas le programme. Non? En pile, les gens disent que le programme ça, c'est pas ça. Qui c'est solution et moi programme ça il fait dans presque tout pays côté gain pauvreté yo pays tant que Venezuela pays tant que Équateur pays tant que la République Dominicaine pays tant que Brésil pays tant que Mexique même en France yo fait programme ça yo et c'est des programmes qui très simple il dit qui ça il dit prend un monde qui pas gain aucun moyen qui pas aucune opportunité ka presque dans la famine et puis bay moun nan on assistance on aide pour pas quitter le péri net pour moi son bon cause pour la simple et bonne raison que si nous pas fait c'est responsabilité sociale nous pour nous aider moun qui pas gagner. Nous faisons programme ça, nous allons renforcer programme non. Nous allons travailler pour nous perfectionner pour le arriver atteindre plus que ça nous gagne aujourd'hui. Nous gagnons 100 000 monde planifié dans programme non. Ça pas jamais fait dans l'histoire pays là côté que un gouvernement lui-même lui prend en ressources lui et puis nous déjà pas grand pile ressources. Ça nous fait nous prenons en ressources que nous pas gagner. Il se sépare avec ça pas gagner même non nous prend ça ne pas gagner et puis nous aider ça pas gagner du tout pour moi son cause noble que lui ministre pauvreté extrême ministre de lutte contre pauvreté extrême moi voulais que nous mettons stratégie nationale contre problème pauvreté a. Moi voulais que attention le monde entier, attention bailleurs de fonds yo concentré sous pauvreté extrême. Nous aimer que gouvernement tout ministre parlementaire qui là, tout chef yo prend sort eh bien moun qui dans pauvreté yo, qui dans grand gou yo prend nan main yo et nan cœur yo pour que projet yo mission ça la grande mission son grande mission pour que grande mission ça ali cap atterri nous gagne nous t'aimer que brièvement ou parler avec nous deux grande mission ça qui ça que pour moun qui dans grand gouyo moun qui pas aucun espoir ça pas connaît côté yo pral manger yo pral prendre prochain plat yo pral joindre prochain plat manger moun qui ont petit moun ça que qui plan que n'a metté sous place qui l'en cap commencer et président Martelly engagé li dans bataille ça il me parle avec plusieurs leaders dans le monde qui paraît pour supporter nous dans ça bon la parole merci PM et moi saluer population dans Noam saluer surtout famille dans Noam saluer tout monde dans Noam et me saluer collègue moi tout me t'avle avant moi parler de grande mission que moi commencer travail sous lit avec toute ton équipe dans primature
Je me rappelle mon ordre PM. Hein? Et si mon ordre ça veut pas respecter, lutte contre la pauvreté, c'est la vie monsieur à terre. Mon ordre qui c'est cohésion, faut que cohésion interministérielle. Et me travaille sous ça en pile. Et je demande aux collègues moi vraiment pour renforcer cohésion interministérielle là sous question lutte contre pauvreté extrêmement. Affirmation autorité de l'État, parce que moi l'on lutte ensemble avec OCFA, ensemble avec ministre économie finance là, pour nous voir comment que nous capables de rallier un pile ONG international qui a fait intervention dans le pays à sous lutte contre pauvreté extrême, comment nous capables de arriver faire que respecter axe prioritaire là, axe prioritaire gouvernement, puisque gouvernement vraiment insister sur question lutte contre pauvreté extrême là. Proximité à la population, bon ça nous travaillons en pile sous l'île dans le bureau de lutte contre pauvreté extrême non? Et obligation résultat, si l'autre n'a pas marché, nous pas bien obligation résultat. Alors effectivement, à côté de programme de protection sociale qui existait déjà, dont un programme que le Premier ministre m'a dit, c'est le programme si maman chérie a que le saut expliqué là, m'a pas prêté trop sous l'île, parce que on a parlé de grande mission. En même temps, nous voulons adresser de façon urgente une caravane qui pourrait aller commencer, par exemple, dans un département qui peut toucher. Mais l'homme dit département qui peut toucher, une nouvelle réalité, je ne dis pas, tant que collègues agriculteurs se disent, c'est une nouvelle réalité sécheresse-là qui fait que qu'un des départements qui est vulnérable à tomber dans la pauvreté extrême, non, qui c'est département nord-est, par exemple, département l'Artibonite. Et même département nord là tout qui est à 36% comme pauvreté sévère et qui est très affecté, qui est moyennement affecté et aussi très affecté par ces sécheresse-là qui est capable de tomber dans la pauvreté extrême, non, plus que plateau central qui est à 61%. Alors, on parle de grande mission. Sous quatre pauvretés, qui département qui est affecté et qui deuxième département qui est affecté? Et département qui est affecté, c'est plateau central à 61%, où gagne Grandance qui a 45%, Artibonite. Pour le capitaine de 61% et de Crinoli 45%. Ministre. Nous gagnons un nous, Kébé, Bord Lala, ministre. Vous en avant. Le yo dit 61%, ça veut dire que pauvreté, niveau de pauvreté sévère là, dans le département ça, yo chiffré la 61%. Et ça qui est plus grave, par exemple, en plateau central, c'est que pendant que yo chiffré pauvreté sévère la 61%, yo ouais que gen 10% moun qui vulnérable pour tomber dans la pauvreté extrême, non, qui capable de mettre la 71% si pas grand rien qui fait. Donc, la pauvreté, rappelé pauvreté extrême, non, nous définissons avec tout le monde qui vit avec moins que 40 gouttes par jour et qui confirme. Oui, et puis nous avons dit tout, c'est moun qui le fait depuis matin, qui n'a pas de caille pour été, qui met un grain de sel en bas l'anglais, et puis qui va les vents, qui n'a pas de manger pour le manger, qui pas. C'est de couche moun sa yo que n'a parlé. Et même là, par exemple, n'a travaillé dans grande mission sous des questions plutôt structurelles, mais nous croyons que faut rapidement, c'est peut-être ça nous oblige de travailler avec le ministre plan et ministre économie pour nous voir comment que nous sommes capables d'adresser des réponses approprié, rapide, là nous parler de caravane, ouais que à partir par exemple de troisième semaine du mois de juillet, c'est si capable commencer déraper avec une caravane qui pour aller dans plusieurs régions ça yo pour nous capable et vraiment faire des interventions urgentes et vers bon côté population. Mais youn l'un projet que nous déjà travaille sous lila et la grande mission, hein, c'est un sommet de lutte contre la pauvreté extrême et l'exclusion sociale. Et PM dans ce dit-là, il est extrêmement important puisque nous-mêmes, nous sommes un bureau transversal et nous dépendons de l'autre ministère et tout. Nous croyons que c'est important nous-mêmes pour nous mobiliser de ressources par rapport avec problème pauvreté extrême. Là. Et un moyen pour nous mobiliser les ressources-là, c'est ce sommet-là que nous voulons organiser. Et l'an prochain mois qui va venir là, que nous voulons organiser vraiment un gros sommet qui est capable de réunir en pile et nous sommes capables de dire personnalité importante pour nous capables de faire, et ça nous a relé
une discussion tout à fait élaborée par rapport à la question de lutte contre la pauvreté extrême. Donc là, on a sensibilisé le monde entier, on a sensibilisé le Parlement, on a sensibilisé les délégués, on a sensibilisé tout Haïtien autour de problèmes de pauvreté dans le pays. On a commencé par un sommet. Le sommet à lui-même, libéral, met en relief la problématique là. Dans ce sommet, ça, nous allons inviter toute autorité, yo. Nous allons inviter tout bailleur de fonds, ONG, yo. Et nous allons inviter tout. Des personnalités importantes internationales. Absolument, toute autorité yo. Et institutions et qui aide multilatérale yo. Pour que nous ayons un plan clair, oui. Pour nous dire, mais problème non, mais en chiffrer le problème non. Ouais, si nous voulons retirer baisser taux de pauvreté extrême de 60 à 40% par exemple, mais qui ça que nous besoin mettre et on demande comment mon cap vienne dans bataille ça. Ministre finance là tout pour engager lui dans le ministre finance là déjà engagé déjà avec tout au CFA. Mais qu'on y a là n'a dit ministre au CFA tout faut engager nous venir avec des plans des programmes qui pour baisser misère avec pauvreté extrême là. Et j'aime dire nous moi-même je pense que sont en cause noble que lié faut nous garder pour renforcer programme voyez plus de monde l'école gratis pour qui ça parce que l'on regarde où est l'école là coûte $90 à $100 américains par année une famille une maman en moyenne il y a 4 petits monde pour voyer l'école ça vaut $400 l'on regarde où est une famille haïtienne en moyenne, il y a $750 que il fait pour une année. Et puis $400 qui est allé dans l'école là seulement manger par la dent, uniforme par la dent. Donc, nous avons une situation grave. Donc, si nous avons retiré le problème de l'école là, sous dos, maman, yo, je veux dire maintenant, pas qu'à l'école là, je parle avec mesdames, couturiers, je parle avec yo. Je parle avec 12 mesdames en tout. Je parle avec eux, je demande combien de timons ils ont. En moyenne, ils ont 4 timons. Donc, en 12 mesdames, ils ont 48 timons. Ils n'ont pas de travail. Marie, ils n'ont pas de travail. Mais, il faut nous garder pour eux parce que chaque fois que je parle avec une dame, Marie n'a pas de travail. Il faut nous faire. C'est ça. Marie, on veut nous. On l'autre Simon encore. Au moins. Donc, problème ça, je pense que c'est un problème pour nous adresser au plus haut niveau. Et il faut investir là-dedans tout. Ce n'est pas parler pour nous parler, non. Il faut investir dans le programme anti-pauvreté. Le président de la République, là, d'ailleurs, il a fait un voyage, il a été invité par son homologue Raphaël Correa en Équateur. Et probablement, on va faire un voyage à Abel Rosanne pour aller regarder. Programme anti-pauvreté, comment que yo géré yo, parce que même yo géré là avec succès. Qui j'en yo fait, comment yo investi là-dedans. Et m'kadou, non, yo gen programme, un programme ti maman chéri, l'autre bois tout. Yo gen 10 millions moun là-dedans. 10 millions moun nan programme nan. Et Venezuela gen 12 millions moun là-dedans. Saint-Domingue là à côté nous gen 4 millions moun là-dedans. Investi là-dedans, investi dans lutte contre anti-pauvreté. Nous-même nous baguen tout moyen ça yo maintenant ti moyen que nous baguen yo n'a prend ça n'pa gagner pour investir dans ça pa gagner rien yo OPM et me penser que youn nan moyen qui pral faire programme ça yo gen succès faut cohésion an li rive atterri ça nous dit que par exemple tout ministère yo son seul gouvernement nouye chaque fois un programme protection sociale tout ministère yo campé derrière programme nan pour droits sociaux population respectés à travers tous services qu'a payo. Bon, de toutes les façons, c'est pour ça nous là. Oui. Hein, pas que mon grand ministre là, ministre de l'environnement pas d'accord. Ministère il n'a pas travaillé pour peuple là. Fait dit ça là. Donc il y a 10 minutes. Ça me va le faire, me va laisser aller rapidement parce que tu as des ministres qui te demandé la parole. Gen un député qui te mande la parole, nous allons parler lui. Et puis, nous allons faire une session pour nous aller rencontrer avec toute autorité civile
parlementaire, dignitaire, de département, capitaine, nous ne pas faire autant de trop. Donc, je vais le bail. Ministre Yannick font intervention. Ensuite, je vais pendant deux minutes pour ministre Sport. Ministre Jean Jumeau, 2 minutes pour vous. Ministre Défense, là, 2 minutes pour savoir 8. Et puis, nous avons fermé avec le pouvoir législatif. Président Chambre Commerce, là, m'a donné la parole. Donc, nous passons 10 minutes là. Je parle de cahier de charge là. Je vois le cahier de charge là, mais je parle de lui. Je m'appelle la parole, mais il est obligé de écouter. Ok, ministre Yannick, en avant, on parle de crédit pour FAMIO. Oui, merci PM. Je salue les collègues Moyo. Je salue les parlementaires. Et je salue principalement le député Josie, et avec toute organisation FAM qui l'en a. Et PM, nous avons fait un lancement officiel du programme Crédit Rose pour Femme Lacaille demain, vendredi, et la plateau centrale à 11h du matin. Et l'objectif du programme Crédit Rose, là, c'est combattre la féminisation de la pauvreté et c'est combattre l'exode rural tout, c'est encourager Femme et la caillou. Et pour ça, c'est 20 communes, son projet pilote, et c'est 20 communes qui ont participé là-dedans. Et montant que nous avons là, comme chrétien, c'est 20 à 25 000 goudes par femme. Dans 20 communes, il y a 5 communes. Il y a 5 communes dans le département centre, 3 communes dans le département nord, qui est député Josie. Pour nous gagner. Nous gagnons Milo, la ca député Chossy, nous gagnons commune Boy, ca député Jude, et puis nous gagnons Grande Rivière du Nord, ca député Saint-Jacques. Et nous gagnons 3 communes dans le département sud-est, 3 communes dans le département l'ouest, 2 communes dans le département sud, 2 communes dans le département Grand-Est et 2 communes dans le département Latibonite. Comme le projet ça n'a commencé son projet pilote qui a commencé dans 7 départements géographiques pays et n'a prêté mesdames yo n'a fait projet avec les organisations de femmes structurées comme ministre intérieur a sorti tout à l'heure projet ça de sorti l'en forum que nous t'ai fait et PM un forum que nous t'ai fait 7 6 et 8 mars et tout le monde qui était tout il y a 650 délégués qui sont sortis à travers le pays. Et tout le monde qui a participé, toute organisation de femmes qui sont sortis dans toute commune dans le pays qui a participé dans le projet, et ont identifié qui ça a besoin comme moyen pour fonctionner. Ils ont dit qu'ils ont besoin d'éducation, l'école professionnelle, et surtout, ils ont insisté sur le crédit. Pour yo parce que yo te dit ki jan que yo pa gen moyen, yo pa gen travail et yo ta besoin augmenter ti commerce que yo gagnent et yo même tout yo ta gagne ki gen l'idée pour ta font ti activité commerciale mais yo pa gen cob. C'est pour ça qui fait que nous te tout de suite après projet, après forum nan nous te travail sous nous te travail sous projet ça pour nous te mettre camper programme ça. Et le programme dans la planche le demain, la plateau centrale, et il y a 5 communes, comme je t'ai dit, qui ont participé dans 5 communes dans la plateau centrale qui peuvent participer dans le projet. Ça. Merci un peu le ministre. Je m'en dois tout rapprocher avec le ministre financement sur le projet ça pour assurer pérennité du projet. Ministre de la Jeunesse et des Sports, vous avez la parole. Et merci PM, chers collègues, honorables parlementaires. Excusez-moi, interromps pour le ministre. Avant de commencer, nous connaissons que nous avons un programme de 8 centres sportifs que nous avons fait, plus nous avons dit, nous avons promis, et promis, c'est toujours d'être 140 centres multisports dans chaque commune. Donc, on a le direct sous ça. On regarde pour écouter, nous avons commencé, ensemble avec le ministre Plan,
ministre plan monsieur te préparer plan sous ça parce que pour mettre ces dettes déjà PM n'a travaillé en étroite collaboration avec ministre plan n'a commencé pour premier loi de 8 centres départementaux avec 50 centres en fait terrains communaux par communaux. Déjà n'a pas priorité avec Grand Ouala, surtout Wanamet, côté que Wanamet a recevoir d'ici décembre les Jeux haïtiano-dominicains de l'amitié haïtiano-dominicaine. Donc il faut nous préparer pour nous recevoir événement ça en grand Jean. Donc on est que du côté de l'autre côté de la frontière, ils préparent sérieusement les recevoir nous, toujours bien recevoir nous. Donc m'a tout dit ministre au CFR là que nous avons certainement des complexes standards dans ce sens ça, mais pour, spécialement pour Wanamet, nous supposons faire un effort pour nous élever le complexe là dans la dimension événement ça qui a fait en décembre. Donc pour Grand Nord là, nous pour aller très vite. Premier lot projet a coûté environ 3 460 000 $. Nous supposons commencer et ceci m'a fait appel avec délégué sous-près n'a commencé dans 2 semaines. Donc sous-près n'a commencé dans 2 semaines et n'a demandé pour déjà activer processus pour nous gagner titre de propriétaire pour nous commencer dans 2 semaines. Donc c'est projet ça. Il y a micro à tout sous cap bouger micro l'autre micro. Micro là. Et pendant ma parole avec moi, je suis venu dans la télévision tout là. Et donc, nous avons commencé, je me dis, avec centre départemental, dans 3 départements, nord-est, nord et nord-ouest, avec des centres, des parcs communaux dans 3 départements. Donc, c'est là que nous avons dérapé. Nous avons dérapé là. Donc, nous avons demandé à toute commission pilotage là, et ministère à nous. Ministère à nous, nous fait 12 lois. Nous avons des secrétaires généraux là, nous voter, nous préparer 12 lois que tout nous signons en Conseil des ministres et l'aime parler avec chambre des députés et pour recevoir loi. Je ne comprends pas pour qui ça FN2A qui c'est loi plus important pour pays en Kounia. Yo dit que yo pour recevoir loi. Donc nous t'aimer que chita sur ça. Nous t'aimer que nous garder ça parce que nous pour voir une loi dans le parlement, nous gain 12 lois que nous signons qui pour renforcer investissement FNE qui pral capable ba nou capacité pour nous mettre timoun l'école. Donc s'il te plaît prends chose sur ça ministre sport va continuer. Oui, donc pour la ville du Cap nous gagnons Jean d'Abdoulou de la APM pour nous faire un terrain omnisport dans quartier la Fossette et nous supposons commencer dans moins de 22 jours fond disponible en moins de 22 jours nous commençons un stade omnisport dans la Fossette dans la Fossette. OK. Nous travaillons déjà avec le directeur départemental là. Et pour nous gagner un livre, il faut disponible dans l'espace ça et nous commencer. Très bien. Eh bien, ça a son bonne nouvelle. Donc, nous la Fossette, nous sommes contents de ça. Nous avons profité de saluer le député Pilate là, qui fait rentrer dans la salle là. Pilate représenté là. Rome Spirillus, Pilate. Donc nous voyons que c'est la parfaite harmonie entre le Parlement et l'exécutif. Et tout ça pour nous gommer pour un seul objectif qui c'est l'objectif peuple haïtien. Je vais la parole qu'on y a là by ministre défense là pour expliquer nous. Sa ministre a fait en quelques minutes. Et Carnaval des Fleurs. Et Mario, faut dire nous tout soit fait pour Ville au Cap là, soit fait pour le Nord. Gen un parlementaire qui se décrime là, il dit nous pas parler du Nord-Ouest même. Et que nous oublions Nord-Ouest. Merci PM, moi salue collègue Minicio. Bouche moi qui échappe. Moi salue collègue Minicio, petit collègue parlementaire. Et ça nous réalise déjà PM, comme nous avons dit l'an dernier, un conseil, non, c'est que nous installons nous déjà, nous avons un siège ministère dans notre travail, et avant hier, nous installons un directeur général dans la personne de M. Karel Alexandre. Donc si nous installons un directeur général, très certainement, dans le cadre d'organigramme, nous avons des directions centrales, des directions techniques,
Mais jusqu'à présent, nous continuons très prudents et sous préparer véritablement au plan de défense PM parce que nous avons correspondance que nous dévoyons. Et jusqu'à présent, nous n'avons jamais eu une réponse correspondance. Ça veut dire que pour nous monter un plan de défense, il faut nous connaître qui ça effectivement nous gagne en nous. Or, arbitrage n'a pas fait et il y a des organes qui lient à la défense qui est l'autre côté. Donc, nous ne connaissons pas. Ça, c'est pour les bagailles. Donc, et dans le cadre de mettre un plan campé pour une défense civile véritablement dans le pays, hein, il pourra demander qu'on soit capable de prendre en compte pour nos considérations sérieuses qui pourraient mettre nous avancer. Mais où recevoir budget, où recevoir, où commencer là, mais c'est que dans ce sens, nous sommes capables de faire une rencontre, parce que la question de nous ne pouvons pas débattre de lui en direct, même de voir la parole quand même, parce que nous avons beaucoup de la parole dans cette séance. Nous avons mardi avec le ministre des Finances et le ministre Thierry. Pour nous capables de faire arbitrage, ça va parler là. Ministre de la Culture, ça va pour Danja Koutou, pour Noah. Merci. Toute petite rectification, Carnaval des Fleurs a pas déroulé dans le Nord, c'est seulement à Port-au-Prince. Mais cependant, ça ne veut pas dire que la population dans le Nord a trouvé le reste pendant les vacances. Donc, nous avons un programme été sur scène et à l'écran, qui nous avons pour nous rencontrer justement demain avec un ensemble d'opérateurs culturels dans le Nord là. Qui pour permettre que le programme n'en démarre le plus rapidement possible. Et ensuite, en ce qui concerne le parc national historique, là, nous avons un projet de 30 millions de gourdes, dont 10 millions sont déjà disponibles pour démarrer rapidement l'aménagement d'un espace d'animation culturelle et de stands pour accueillir producteurs d'artisanat culturel, par exemple. Mais surtout, ce qui est plus important pour nous, c'est arriver, mettre étendre Clacquion dans notre et développer un programme de stage culturel, soit dit en passant. Donc, c'est un programme qui est déjà dans le programme d'investissement, qui est dans le ministère des Finances. Donc, c'est. Fuyer platé transmettre dans planification qui transmettre les dans finances. Donc je demande pour l'exécution. Donc les dans programme d'investissement public pour année ça. Donc jeunes yo particulièrement dans le département nord là aptan pour nous intervenir. Donc les ressources sont là, c'est juste pour décaissement aptan. Donc sitôt que décaissement est fait, ça permet nous intervenir très 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 rapidement. Mais comme nous sommes dit à l'APM, pendant que le Carnaval des Fleurs a fait dans Port-au-Prince, dans le département noir particulièrement, c'est un côté, côté programme était sur scène et à l'écran, a démarré avant l'autre côté. Merci. Merci. Mario Dupuis, merci pour le travail. Merci pour. Nous allons clôturer dans quelques minutes. Non, il dit la fête pour d'autres, il dit pas fête. Donc, tout, ah bon, même ministre, on se parle là. Tout artisan dans nos yeux, il y a valorisé. Oui, c'est que ça nous demandait, c'est que vous avez valorisé vannerie, côté que mon café chapeau, tcha tcha, tout. Et activité ça yo capable de valoriser en dans Carnaval des Fleurs là. C'est que l'a touché nous là quand même. Tout ministre il s'est en bas à col. Donc nous d'accord pour ça. On va penser sur ça. Oui. M'a bon exactement 30 secondes. M'a bien dit ça me besoin de dire en 30 secondes là.
Ça concerne appui budgétaire de BID et Banque mondiale, et qui est une condition appui budgétaire sur l'énergie. Il y a une condition qui est extrêmement importante pour noter. Et BID là c'est 12 millions de dollars et Banque mondiale c'est 15 millions de dollars. Et condition très rapidement. Il faut bien tenu et ceci avant la semaine, en fait la fin de la semaine prochaine. Il faut bien tenu de conseil d'administration de DH. Il faut une adoption de propositions de politique énergétique. Ça nous baille et ébauche là. Il faut adopter un conseil des ministres. Il faut une création d'un comité de gestion de gestion de l'eau, du lac et du barrage de Péligre. Gagner publication table suivi de l'EDH là, jusqu'en mai 2012. Gagner une lettre de politique sectorielle sur l'énergie qui vous publiez sur le site web du ministère des Finances. Et finalement, il y a un protocole d'accord entre MEF, le ministère des Finances, et l'EDH qui pour lier et qui pour gérer les mécanismes et conditions de transfert budgétaire qui fait à l'EDH. Donc c'est uniquement ça, mais c'est extrêmement important que nous notions parce que si on pas exécuté, nous ne pouvons pas bénéficier de l'appui budgétaire ça, qui est de 27 millions au budget directement lié à l'énergie. À 6, en fait, bien à peu près 10 conditions, ben nous 6 qui pendant la coulière que faut nous exécuter. 4 lois que nous exécuter déjà. Ok. Ok. Très bien. Donc, son condition, il est avec Banque mondiale, le gouvernement, pour débloquer 27 millions dans le secteur énergie. 12 pour l'énergie, 15 pour l'agriculture. Donc, de toutes les façons, et bah, ça, il faut entrer dans un nouveau cadre là pour nous discuter en gouvernement. Député Faustin, je vais avoir la parole et pour venir parler nous de Oboine. Ça a fait l'autre bois. Donc, probablement, je vais demander nous ça n'a fait pour venir Oboine. Et donc, je vais avoir la parole très brièvement pour capable et faire parler avec le gouvernement. Donc, faut pas son micro. Moi saluer le premier ministre là, moi saluer tout ministre. Attendez. Ça ne va pas. OK, moi saluer tout collègue député qui fait déplacement qui là. Premier ministre, moi voulais tout d'abord féliciter vous et féliciter tout le gouvernement. Ça a son conseil de gouvernement exceptionnel, très exceptionnel. Et pour qui ça? Parce que premièrement, la fête dans le nord, et traditionnellement toujours faite pour Port-au-Prince. Deuxièmement, la fête avec présence, nous autres qui parlementaires qui pas gagné rentrer et sortir dans le conseil des ministres ou conseil de gouvernement. Et troisièmement, je vous dis, nous ne quand même parler de conseil et de gouvernement parce que le président est là. Donc, vraiment, il est très exceptionnel, je vous dis. Et moi-même, moi, vraiment, et honoré et flatté, et ouais, que je suis présent dans la salle, et ouais, que nous avons parlé sous problématique et région, hein, et particulièrement département nord. Et moi, j'étais en retard, moi, je ne suis pas suivre dans les médias, les transmissions et activité ça. Mais moi-même, moi t'ai remé en deux, trois petits points et attirer attention certains ministres sur quelques problématiques qui gagnent dans le département et dans la circonscription de la CAIM. Rapidement, pas long. Nous gagnons, ministre touriste, là, tu as parlé de touriste à l'heure, mais nous-mêmes, nous croyons que 300 routes gonaïves cap-haïtiens hein, sont bagaille vraiment qui pas capable, premier ministre, Jodia. Si je dis à l'Albana budget, même penser, il faut que gagne de prévision qu'a fait sous tronçon ou ça. Parce que vraiment, nous même parlementaires, nous avons des caoutchoucs dans la machine, nous, et nous avons des bonnes machines, il n'y a pas fait nous 6 mois. Parce que route ça, vraiment, ce sont l'enfer que lié pour les gens qui pratiquent l'eau. Ça, c'est point 1. Point 2, pas qu'on est, parce que j'aime mon budget à venir, je trouvais que l'université Limonade là, t'as semblé et pas fin clair dans le budget. Mais comme nous allons étudier le budget, ministre et finance là, nous allons étudier le budget, nous allons regarder ça.
Mais nous t'avons aimé que point ça est bien fait parce que année ça demande qui gagne dans le département et attente qui gagne, faut que l'université a réellement paré pour accueillir tout le monde dans la région et particulièrement dans nos pays. Donc, sous budget, selon sa ministre, il y a 250 millions pour l'université. Déjà, on annonce, et Premier ministre, mais il faut me dire, pour carburant seulement, tel que vous payez l'université, quantité galon de carburant que le cap prend par jour, s'il a fonctionné 24 heures, l'agence a presque suffi pour carburant seulement. Ok? Donc ça veut dire que on croit que si on a réfléchi réellement sous fonctionnement université, donc il ne faut pas avoir 200 millions, mais il faut regarder réellement fonctionnement université. Ça. Si c'est coopération externe qui cherche pour ajouter avec ça, pays à capoter, il faut regarder comme ça pour que bagaille là nous pas arriver en route et puis pour gaz seulement, université n'a pas qu'à fonctionner. Troisième bagaille, je me dis, moi senti qu'on solidarité qu'a fait avec pays et moi vraiment féliciter l'équipe ça. Parce que je me senti que l'équipe là jeune. Et la mettre énergie dehors. Et quand le ministre là, je ne vais pas faire jaloux, je vais citer non, mais je connais qu'il y a deux ministres qui là, qui sont vraiment dynamiques et qui montrent nous qu'il a fait travail. Yo. Et moi, j'ai un ministre de planification, bon, l'école qui va inaugurer là, quand le 18 juillet là, c'est l'Eltenant Digicel qui a fait l'école ça en bas. Donc, nous croyons que notre solidarité qu'a fait là, nous avons demandé solidarité avec zone bon là, quand nous, parce que le ministre de tourisme, pour pas sans savoir. Nous gagnons Chouchoubé, qui sont zones exploitables et sont zones qui sont capables de porter richesse dans le pays et dans le plan de développement touristique là par la donne. Nous gagnons à côté Chouchoubé. Nous gagnons le bassin Ouaka, qui sont sites merveilleux et qui sont capables vraiment de mener touristes dans la communauté. Nous gagnons. Anessa a gagné près de 300 personnes qui ont sorti dans Miami, qui ont sorti New York, qui ont sorti dans les Bahamas, qui traditionnellement est venu au Boy, qui pourrait visiter Grotte du Boy, et nous avons remis son bagage qui a gagné en plan. Parce que Grotte, ça, son bagage ministre, moi, nous avons remis ou descendre en bas avec nous pour regarder les richesses que nous avons dans la communauté et pour nous capables effectivement rendre non seulement exploitable pour la zone Bola Kaino, mais également pour le pays. Alors pour me finir, et PM, Jacques, vous connaissez ma vie sur vous quand même. Vous connaissez ma vie parce que moun, Tibouko Boy coupé avec respect IA. 10 km de route tout simplement. 10 km de route tout simplement. Yo coupé avec respect IA. Et autre jour, je me dis ça devant le Premier ministre, le ministre planification conscient de ça. L'eau apprend moun Tibouko Boy, l'apprend moun Pomago, moun Bayeux et particulièrement Bakati, 5e section, l'apprend moun Tibouk Saint-Bertin. Donc nous demandons faut que une solidarité réelle, ministre environnement, ministre agriculture, ministre travaux publics, pour que nous capables aider Mounio sortir dans la situation et là et ministre éducation qu'on a dynamique même pour qu'on ait une lettre qui descend dans la circonscription. Merci beaucoup. Merci beaucoup député Faustin et député Faustin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une bonne nouvelle pour vous là parce que vous êtes ministre touriste lui-même, il marche avec toutes les outils là même. Et les map gardé bon effectivement son plage extraordinairement belle et sous plan développement ministre tourisme en 2014 là nous carrel là justement la parler de Bahia Chouchou, ça veut dire Chouchou B. Bahia Chouchou, Chouchou B. Donc m'a passe au lit là nous pral prend une minute pour nous bailler. Président Cham Gomes là dit un mot qui pral fermer séance là parce que protocole là fait dit que tout le monde attend nous dans réception. Donc nous pas voulez faire mon temps nous trop. Donc président, vous avez la parole brièvement, je vous donne 2 minutes pour faire le point et n'a continuer parler dans réception. Je suis très content quand même que je me la parole parce que je souffre. Parce que je gagne un cahier de charge que je pense que je présenté depuis avant même que. Parce que j'ai des points qui peuvent être touchés. Effectivement, j'ai un pile point qui touche là-dedans. Même moi-même, j'ai un ministre des Travaux publics là, qui,
justement, dans la congestion de la ville au Cap, qui ne prend pas en compte dans ce qu'on fait là. Si nous prenons, par exemple, le parc industriel là, qui pourra drainer près de 600 à 900 containers, aller-retour là, nous gagnons l'université capable de générer et tout le monde, plus l'aéroport international qui a commencé en février 2013, nous comprenons mal que nous n'avons pas adressé le problème de congestion cap haïtien. Congestion cap haïtien, c'est un problème qui méritait une attention spéciale parce que je dis, pour entrer dans la ville cap haïtien, Jean Wellier ou besoin entre demi-heure, là ça pibon, entre une heure et demie. Là l'école ouvre, on va besoin de demander ça qui va le passer. Donc, je dis, ce n'est pas seulement pont ou un route 5 là qui vous jeter. Il faut déjà que vous pensez qui ça a fait avec route qui sortit au Cap là pour arriver et Kafoulamo. C'est un plan depuis mini Jacques Gabriel qui t'est posé et jusqu'à présent, il n'y a pas jamais qu'à avoir un problème. Si on pas fait ça, nous sommes certains, l'aéroport a fini et nous ne pouvons pas utiliser. Et il y a une route SOS là qui passe calé derrière le haut du Cap là. Tout ça, c'est un plan de décongestionnement que vous êtes capable de penser. Donc c'est... moi-même, je ne peux pas ça qui signe, je vais le remettre, oui, mais pour ça, je devrais signaler et pour nous, parce que là, il faut que vous preniez ça en considération. Et l'autre problème non, que vous pouvez parler, c'est le problème de sécurité. Il y a 400 policiers. Non, même quand nous au courant de problème, il y a 400 policiers. Et puis, donc, le dernier point que je vais signaler pour PM, c'est que nous appuyons toutes mesures qu'on prend pour combattre contrebande et fraude là. Ça, c'est un bagage que nous tous, secteur privé au Cap là, nous tous, secteur privé au Cap là, nous avons marché derrière nous. Mais il y a un bagage qui a passé depuis 2 mois, c'est qu'au niveau de la douane, il y a un problème. Au niveau de la douane, nous retournons à la même pratique surannée, même pratique longtemps, pour que maintenant ils concentrent tout pouvoir au Port-au-Prince. Ouais, ça, ouais, il faudrait que, au niveau que ils gagnent un Sidonia, que ils modernisent, et faut le permanent. Il n'est pas possible que vous besoin d'une autorisation puis au doux pas un système. Ils n'ont pas qu'à traiter un dossier. Il faudrait que ça nous résoudre. Et deuxièmement, deuxièmement, mise à jour de ressources de personnel là. Pour être capable de répondre à besoin un client. Donc ça, c'est deux points seulement que je vais me signaler, que je vais remettre au dossier, et puis là, il est déjà dépassé. Merci un peu, et merci pour le compliment. Nous allons travailler pour sécuriser les droits de et nous allons remettre le document directement par le ministre de la Planification pour le passer par le DGA, pour faire FIOP. Et bien après ça, pour nous avons commencé le travail sur le développement pays, nous, développement ville, au Cap, développement le nord, le nord-ouest, le nord-est, le grand nord. Nous pas oublier un département, nous pas oublier personne. Bon, c'est que je dis à nous bien travaillé, on a fait le tour, nous parler, qu'on est là, faut nous passer à l'action. Donc, bien content. Nous déjà en action. Mon ministre de la Finance est déjà en action. Donc, je vous demande de continuer. Et le ministre diaspora m'a demandé tout faire un pile interview dans la radio et la télévision avec diaspora pour nous mobiliser ensemble avec le ministre touriste là pour nous faire une. Ensemble pour même parler avec l'autre bois. Moi-même, affaires étrangères tout, m'a motivé l'ambassade des consulats pour aller diaspora à venir. Que ici là. Moi merci à tout ministre qui l'a délégué mais on a maintenant fait déplacement pour venir là. Moi merci au fond bon travail l'autre bois. Continuez. Et m'devle demander secrétaire là pour noter l'heure de fermeture parce que c'est la première fois nous gonti bah trop coûte. Bravo ministre.